Your Honor, Tattoo, Patrick, I'm Fenu, I'm Pretini, I'm Pretini, I'm Fatri Hill, Mutia Maji, here's the Nuna, I'll be proud of you, Tapura, hey, they are Hippa, the Mopa, baby, Nuna, I tell me, TPP, my way, Mano, I told Tattoo Farida. Mesdames et Messieurs, bonjour, je déclare la séance ouverte. Je demande à Madame Secrétaire Générale de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 22 septembre 2010. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la deuxième séance de sa session budgétaire le jeudi 30 septembre 2010 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée le Premier vice-président Tony Géros. Demande à Madame Secrétaire Générale de faire l'appel des représentants présents. Madame Algon Emma, présente. Monsieur Bertolon Nicolas, présent. Madame Bob Dupont-Tamara, absente. Monsieur Bouissou Jean-Christophe, présent. Madame Brémond-Madeleine, présente. Madame Brodien-Rosine, présente. Madame Chavez-Daphné, présente. Madame Cross-Valentina, absente. Monsieur Drolet-Jacqui, présent. Monsieur Floss-Gaston, présent. Madame Frébeau-Joël, présente. Monsieur Frébeau-Pierre, présent. Madame Fuller-Tilda, présente. Madame Galnon-Minari, présente. Monsieur Géros-Anthony, présent. Monsieur Anderson-Georges, présent. Madame Hirschon-Onoutea, présente. Madame Isal Heifara, absente. Monsieur Kautei Benoît, présent. Monsieur Kohou Mouitini René, présent. Monsieur Lison Marcelin, absent. Monsieur Mamatoya Hutapu Victor, présent. Madame Manoutei Livia Ganisandra, présente. Madame Maraya Emma, absente. Madame Monsieur Mareura Teina, présent. Madame Maritra Guimeroto Liliane, présente. Madame Matao'a Leoni, présente. Madame Mati Juliana, présente. Madame Merceron Armel, absente. Monsieur Moutam Thomas, présent. Madame Olivier Marise, absente. Madame Opa Afouanik, présente. Madame Parker Eleanor, présente. Monsieur Peututi, présent. Monsieur Porliete Kinoui, absent. Monsieur Rapoto Jean-Marius, absent. Madame Richton Monique, présente. Monsieur Omataroa Fernand, présent. Madame Sage Maïna, présente. Monsieur Salmon James, présent. Monsieur Chil Philippe, présent. Madame Saint-Jo Tarita, présente. Madame Tahiata Chantal, présente. Madame Tahuru Atama Juliette, présente. Madame Tama Françoise, présente. Monsieur Tanso Robert, présent. Monsieur Cho Newton Hia Chong, présent. Monsieur Tefarere Hirohiti, présent. Monsieur Temaru Oscar, présent. Monsieur Temeharo Reni, présent. Madame Teruatea Sylviane, présente. Madame Teura Justine, présente. Monsieur Toahou Ismaël, présent. Madame Puchobuyar Catherine, présente. Madame Vernoudon Béatrice, présente. Monsieur Vernoudon Clarence, absent. Monsieur Yip Michel, présent. Marou, je demande à Madame le Secrétaire Général de nous lire les procurations déposées. Nous avons reçu les procurations de M. Thomas Moutam à Mme Richton Monique, de Mme Isale Ifara à M. René Kouhoum Mouitini, Mme Catherine Touchobuya à M. Toirou Ismaël, de Mme Cross Valentina à Mme Opa Afouanik, de M. Jean-Marie Strapoto à Mme Juliana Mati, de Mme Emma Maraya à M. Touti Peu, de M. Marcelin Lison à Mme Sylviane Teruatea et de Mme Marise Olivier à Mme Chantal Tahiata. Marlo, je demande à Mme le Secrétaire Général de nous donner lecture du projet d'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour proposé par la Conférence des présidents qui s'est réunie lundi dernier est le suivant. En point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports, des projets et propositions de loi du pays et de délibération, voire liste jointe. En point 4, examen de la correspondance. Et en point 5, clôture de la séance.
Merci. Qui est pour? Oui, Monsieur Jacques Hidrolet. Yorana et Prititeni. Yorana Tmomirot Fareaporarhe. Yorana Tmofatrehel. Yorana Monopretiteni. Maruruit Amuida Mairtitata Rurura. Yorana Papa Ivea. Et Huri de Prawe Prahiara Yaya Taviri. Yorana Maruruito Tatu Farereira. Prititeni et Temunirera Tatu Yabutubutu. Ou animé au Robert Tonso Tane, et y a fan ou hier, y a noté mhana no anan heira, anan heim hana pa, y te tau opraud a in eite opuat ature no te tau tiat fof a otomo tatamuni no rapa, y rote te praud no te nunio afaif e yotato. Na Robert Tonso te rire anira no te mea irte ito na tanara ta ida, e mea tano. Yati aitato ite hoir amai o te fatarehau Rufrich, no te faaur aia e te mana o te fatarehau o te whenua. E wafar iau, ite anir aia Robert Tonso, no te mea ua prau meo Robert Tonso i atato, e hoi meo Rufrich te epo. Te aur aia, ya tame ona i te epo e te otomait ei, anan he pepeine nhe tato e maro, inyo i taua opuar ar. Aitato umana i prau e nhe tato e moto. Nen he tatoe maro, ini ai tau atu mupurau. Inha, i te e pepeit prititeni, i te area o te hora iwa, mairi toru ohuru e ma pae miniti, watamei te teirata, miroto mai, ya Gaston Thompson, no te hapapur aia tatu e, ai toro fritsch e tamai te epo. Ai tona e tamai te epo, te aur aia, te animeiro Thompson ya tatou e tia ei, ya heume i te e whaterehau, i rira tatou e tap of ahuei i te ie nei opuar ature tau no te parau no te niuniu awhaiwhai. Whaitea ya oe prititeni, te whare i nei to umano, te whare i nei te mana o te tapura amui, ya vaihauhia te ie nei tau oparau rā no te ie nei mhana piti umuri nei, i te teimei pui pui, te inaro nei au e i hapapu mei monu prititini a ora rātu prititini tonso, e tēmei hoa o te whātarehau i roto i tra area, i anehene tātou i a eimārori i tau atu mūpraura, a mahana piti, mei te pēu e prau mei te monu prititini i tā, i te pāone heu mei mahana piti e mahana tōru, a ora mahana maha, a ora mahana pā, e tia i rua tātou, i a heu mei te i whātarehau, no te tau aprau i te opuar ature norirā, te anine iau ia oe te perititeni, te ie tāpura numera mha o tāu i tūa tūrutu i tātou tāu oparaur ā, te anine iau ia tātou e tātara iāna, whahau no te hepetumai muri nei, iau te anir ā te perititeni Thompson. Monsieur le Président, lorsque nous nous sommes réunis à la conférence des présidents lundi et que nous avons décidé de l'inscription à l'ordre du jour de notre séance de ma proposition de loi de pays relative aux autorisations d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fourniture au public d'un service de télécommunication, à la demande de M. Robert Tonso, président du groupe Totato Aya à l'Assemblée de Polynésie, j'ai accepté que cette proposition soit débattue demain, puisque, d'après M. Tonso, M. Rufrich devait rentrer ce soir de France. Or, ce matin, à 9h35, nous avons reçu un courrier du président du pays nous faisant comprendre que M. Rufrich ne rentrerait pas ce soir. Et nous demandons de sursoir à l'étude de cette proposition de loi de pays pour faire en sorte que M. Rufrich soit présent. Et c'est avec grand plaisir, Monsieur le Président, que j'accepte cette demande. Comprenez que à combattre sans adversaire, en triomphe sans gloire. Donc je vous propose, Monsieur le Président, de retirer ce point de l'ordre du jour et nous l'inscrirons à nouveau dans l'intermède de midi à la conférence des présidents pour la semaine prochaine. Et ça sera tant mieux pour tout le monde. Maruru, Prititeni. Maruru, Monsieur Tonso. Je Maruru, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur le Vice-président, bonjour Mesdames et Messieurs les ministres, bonjour Mesdames et Messieurs
les honorables représentants ainsi que bonjour, mes salutations à toute la presse écrite, parlée et tous les amis qui sont avec nous ce matin. Je dois remercier effectivement cette nouvelle proposition de Jacques Drolet par rapport à l'arrivée donc du ministre qui doit défendre ce dossier et qui effectivement doit arriver que ce week-end et non pas ce soir. Mais je dois quand même rétablir la réalité des faits, c'est que au départ, M. Jacques Drolet, lors de la programmation de cette proposition de loi pour la séance d'aujourd'hui, n'était pas favorable à repousser ce dossier. Il disait en préalable, nous sommes maîtres de l'ordre du jour, l'Assemblée est maître du jour, et c'était moi qui argumentais pour que ce dossier aussi important d'être débattu, tout au moins devant la présence du ministre qui doit défendre son dossier. Et par la suite, je remercie effectivement M. Jacques Drolet qui a accepté le principe donc d'étudier ce texte en présence du ministre qui doit défendre ce texte. Donc aujourd'hui, effectivement, une fois de plus, le ministre devant arriver que ce week-end, donc nous sommes d'accord à ce que, bien entendu, à ce que ce texte puisse être reporté à la semaine prochaine en présence du ministre qui doit défendre son texte. Maruru. Maruru, Monsieur Drolet. Merci, Monsieur le Président. Vous comprendrez que ma patience a des limites. Et si d'aventure Monsieur Rofitch tombait dans les bras de Madame Ponchard et n'arrivait que le 14 octobre, mardi, nous débattrons de notre loi de pays, n'est-ce pas? Merci. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui est pour à l'unanimité. Oui, l'ordre du jour modifié, bien sûr. Maruru Medei. Voilà. Il y aura l'ouverture de la foire à Mutu Owini. Et je demanderai une suspension de séance pour que nous puissions tous, aller à Faa, encourager nos agriculteurs, le secteur primaire, tout le secteur primaire. Qu'est-ce que pense l'Assemblée? Arrêtez-vous. Il est 10 heures. On le prend à 14 heures. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, nous reprenons notre séance sur la base de l'ordre du jour adopté ce matin, c'est-à-dire par la phase des questions orales. Et je vous informe à ce titre que conformément à l'article 38 du règlement intérieur, donc nous avons reçu 7 questions orales. L'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut néanmoins la compléter par un commentaire écrit distribué à chaque représentant. La séance dure une heure et il est 14h27. Donc on devrait terminer nos questions orales à 15h27. Donc j'appelle comme première intervenante Madame Daphné Chavi. Voulez-vous poser votre question? Merci, Monsieur le Président. À nous tous, bonjour. Voilà, ma question orale s'adresse à Monsieur le ministre du Tourisme, Stephen Blin, au sujet d'un bilan du Salon du Tourisme. Monsieur le ministre, du 24 au 26 septembre, s'est tenu le Salon du Tourisme organisé sous votre patronage. L'occasion pour les métiers de l'hôtellerie et des activités annexes liées au secteur touristique d'organiser une action promotionnelle, exceptionnelle, ciblée et adaptée au marché interne de la Polynésie française, mais aussi l'occasion pour les jeunes porteurs de projets, les nouvelles entreprises entrant sur le marché touristique polynésien, de mieux se faire connaître du grand public. Mais surtout, ces 3 jours ont permis de redynamiser les ventes et les réservations des hôtels qui souffrent indéniablement de la crise.
On notera d'ailleurs pour cette année une hausse de nombre d'exposants, vous ayant conduit pertinemment à organiser ce salon dans l'enceinte de la Sala Oretini Hall. Et j'en profite pour saluer les organisateurs qui ont accompli là un salon très apprécié du public. Les derniers chiffres fournis par l'ISPF sur la fréquentation touristique de la Polynésie française ne sont pas bien optimistes. Depuis le début de l'année, le nombre de touristes s'élève à 63 208, soit 11,1% de moins qu'en 2009. Le secteur touristique est en berne et souffre de la conjoncture dans laquelle le pays se trouve. Aussi, Monsieur le ministre, nous souhaiterions savoir si ce salon fut un bon cru, et nous vous saurions gré de bien vouloir nous dresser un premier bilan de ces journées dédiées à la promotion du tourisme intérieur. Quelles sont les retombées attendues? Quel a été le taux de fréquentation? Et quels sont les premiers chiffres concernant les réservations et ventes de produits touristiques que vous pouvez nous présenter? Je vous remercie, Monsieur le ministre, des éléments d'information que vous pourriez nous fournir. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les représentants, chers médias internautes, chers publics, Yorana. Madame la représentante, je vous remercie pour cette question et de l'intérêt que vous portez à notre industrie touristique. À seulement 4 jours après clôture du deuxième salon du tourisme 2010, il est malheureusement encore tôt pour dresser un bilan exhaustif. En effet, les données statistiques continuent de nous arriver et ne sont pas totalement officielles. Air Tahiti annonce d'ailleurs pouvoir être en mesure de communiquer sur l'état de ses ventes seulement le 14 octobre, ses clients étant autorisés à récupérer leurs billets jusqu'au 8 octobre. Donc je n'hésiterai pas à revenir vers vous si vous en formulez la demande après cette date. En attendant, je puis d'ores et déjà vous annoncer que le choix du site d'Aoretini Hau a assuré à nos visiteurs une meilleure accessibilité que celui de Tohata, puisqu'il nous a fait profiter d'un espace de parking plus important. La structure couverte du nouveau site a également permis de prévenir les risques d'intempéries, nous mettant à disposition 3 000 m² d'exposition, soit 3 fois plus qu'à Tohata. Pour rappel, le premier salon de l'année, il y a 6 mois, a ouvert ses portes avec une alerte tsunami et s'est achevé sous une pluie torrentielle. Le week-end dernier, ce sont pas loin de 150 exposants qui ont présenté leurs produits, îles et archipels, contre 98 la fois précédente. Si nous ne nous disposons pas de données définitives quant au nombre réel de visiteurs, d'une manière générale, les exposants ont déclaré avoir accueilli une proportion plus importante d'acheteurs et par conséquent, moins de curieux. D'un salon à l'autre, le ministère du Tourisme a fixé au GIE Tahiti Tourisme le double objectif de faire vendre plus aux exposants pour un coût d'organisation plus faible. Nous avons ainsi pu faire chuter le coût net des salons du tourisme de manière successive, passant de 18,6 millions en septembre 2009 à 13,8 millions en février 2010, puis 10,2 millions le week-end dernier. En résumé, l'organisation du dernier salon aura coûté 50% moins cher qu'il y a un an à la même période, pour 50% d'exposants en plus. Donc nous essayons de faire mieux avec moins. Le chiffre d'affaires de nos exposants avait fait un bond de 36% en février dernier pour atteindre 225 millions. Donc nous espérons, bien entendu, que la dernière édition aura donné à l'industrie touristique une nouvelle bouffée d'oxygène, parce qu'elle n'en a pas eu beaucoup au premier semestre, comme vous le savez. Et puisque vous abordez le sujet des statistiques touristiques, oui, ce premier semestre 2010 n'a pas eu la bonne fin qu'on lui souhaitait. La paralysie de notre aéroport pendant 5 longs jours au mois de juin aura fait faire un mauvais départ à notre saison, à notre haute saison. Fort heureusement, depuis, les touristes reviennent. Depuis le mois de juillet, les hôtels profitent d'une fréquentation touristique meilleure que l'an passé. Vice-président des opérations pour le groupe intercontinental en Polynésie, M. Philippe Brovelli, déclaré le 16 septembre à Paris, « Nous avons certes souffert de la crise, mais nous sommes en train d'en sortir. Nous faisons tous en Polynésie une belle saison d'été. Il faut cesser de parler de crise. » Madame la représentante,
Le retour du navire de croisière le Royal Princess dans quelques jours pour une durée de 6 mois est un signe encourageant pour l'ensemble des prestataires locaux d'activités de nos îles. Accompagné des navires Sapphire Princess, Clipper Odyssey et Rhapsody of the Seas, ce sont pas loin de 6000 croisiéristes et 2000 membres d'équipage qui sont attendus au quai d'honneur de Papeete entre le 3 et le 8 octobre. La crise est certes toujours là. Les États-Unis, premier marché émetteur, ne se sont pas encore remis, mais la chute de notre fréquentation touristique démarrée il y a 3 ans sera amortie en cette fin d'année. Nos espoirs de repartir à la hausse en 2011 reposent maintenant sur la poursuite de nos efforts et la mobilisation des élus et de l'ensemble de notre population derrière un véritable projet touristique, ce que le Conseil du tourisme s'attache à finaliser en mobilisant 100 de professionnels du secteur privé et du secteur public comme des institutionnels. Le salon du tourisme est certes l'occasion de favoriser notre tourisme intérieur, qui est notre 4e marché, mais c'est aussi l'occasion de générer de l'animation. Vous comprendrez qu'on ne peut aujourd'hui se satisfaire de promouvoir seulement plage blanche, bungalow et couple. Le caractère dynamique que nous voulons insuffler à la destination va s'accompagner de nombreuses mesures, dont celles en faveur de la valorisation de notre culture et de notre biodiversité. Enfin, je souhaiterais profiter de cette tribune pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont aidés à battre le record du monde du plus long collier de fleurs, aujourd'hui relié par des médias internationaux tels que l'Express, le Journal du Dimanche, Yahoo Actualité, MSN Actualité, le Nouvel Observateur, et ce pour le budget réduit, bien que non négligeable, de 350 000 francs net. Voilà, Madame la Présidente, j'espère avoir répondu à votre question. Marou. Merci. Donc, on poursuit avec la question de M. Droulé. Droulé, tu peux te Yoranafahuatato. Aïtat fatereheu notre paot fa'apu. Pena en nat monu plititini pahonu. Ara nat fatereheu te paot fa'arir amanhini. Alira. Donc, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie rurale. Malheureusement absent, il sera donc remplacé par l'un d'entre vous. Et cette question porte sur l'organisation de la Chambre d'agriculture. Monsieur le ministre, le Conseil du 15 septembre dernier a pris sur votre rapport un arrêté modifiant l'arrêté du 9 mars 1998 relatif à la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonnaire, et dans lequel arrêté en substance vos modifications portaient à la fois sur des points mineurs et des points majeurs. Pour ce qui concerne les points mineurs, à l'article 1er, le changement du lieu du siège qui passe de Pire à Tahiti. À l'article 12, la modification d'intitulé comme service en charge de l'agriculture au lieu de service du développement rural, service en charge de la pêche au lieu de service de la mer et de l'aquaculture, et disparition du chef de service de l'administration et du développement des archipels qui réapparaît à l'article 13 en administrateur territorial de l'archipel concerné, alors que le fonctionnaire territorial devient à l'article 51 le fonctionnaire de Polynésie française. Ça, ce sont les modifications mineures. Ces modifications mineures pourraient être acceptées sans difficulté si elles n'étaient accompagnées de modifications plus profondes qui démontrent votre volonté de mainmise sur cet organe consulaire sans concertation avec les professionnels du secteur qui sont, que vous le vouliez ou non, les premiers concernés. Et à ce propos, Monsieur le ministre de l'Agriculture, j'ai vainement cherché votre définition de l'agriculteur. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvée. Sauf à considérer que si vous avez 2 troncs de bananiers, 1/2 tronc de feuillis, 3 canards, 2 poules, vous êtes considéré comme un agriculteur. Il me semble que ce temps-là, Monsieur le ministre de l'Agriculture, est révolu. Ainsi,
Ainsi, la composition de la Chambre passe de 30 à 18 membres. C'est donc l'article 5. Et pour être éligible, il faut avoir exercé une activité agricole depuis au moins 2 ans, alors que précédemment c'était 5 ans, à l'article 18. Outre la réduction du bureau à l'article 32, vous cornaquez le président de la Chambre à l'article 36 par l'intermédiaire d'un secrétaire général que vous nommez désormais à l'article 50 et qui sera, à n'en pas douter, votre bras armé à la Chambre d'agriculture. Aussi, Monsieur le ministre, permettez-moi de vous poser une seule question. Comptez-vous faire de l'agriculture sans les agriculteurs? Puisque vous videz la Chambre d'agriculture de sa substance, alors qu'elle devrait naturellement être un outil performant au service des agriculteurs, et comment, Monsieur le ministre, comptez-vous développer un secteur vital de notre économie, et on l'a encore entendu ce matin, en vous contentant de faire cultiver 5% des surfaces cultivables de notre pays. 5% des surfaces cultivables de notre pays. Ce secteur, Monsieur le ministre, a besoin de réformes en profondeur et vous n'effleurez à peine que l'écume des choses. Je vous remercie. Merci. Donc, on va demander au gouvernement de répondre. Monsieur le ministre du Tourisme, par exemple. Monsieur le Président, merci. Donc, le ministre de l'économie rurale s'excuse de son absence et donc m'a laissé le soin de répondre et de lire en fait sa réponse. Donc, Monsieur le Président, le 28 septembre dernier, vous m'avez saisi par le biais d'une question orale et je vous en remercie. Votre question porte sur la refonte des statuts de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire, intervenu dans le cadre de l'arrêté pris en Conseil des ministres le 15 septembre dernier et plus globalement sur la politique agricole que je suis actuellement en train de mettre en œuvre. Il est particulièrement étonnant que l'on me reproche, tant sur le plan de la méthode que sur le fond, même une modification des statuts de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire. Quant à la méthodologie, vous suggérez que je fais de l'agriculture sans les agriculteurs. Or, ces modifications sont intervenues, contrairement à vos allégations, après plusieurs réunions avec la Fédération Rima Hoturou et les représentants de la Chambre de l'agriculture durant le mois de mai de cette année. Vous semblez confondre deux notions pourtant distinctes en sciences politiques, la concertation et la décision. C'est au ministre, puis ensuite de façon collégiale au gouvernement, de trancher et de prendre une décision dans un sens plutôt que dans un autre. Par ailleurs, pour reprendre une expression chère à Gandhi, tout compromis repose sur des concessions mutuelles, mais il ne saurait y avoir de concessions mutuelles lorsqu'il s'agit de principes fondamentaux. Je considère qu'une décision s'imposait à l'évidence, celle de réformer les statuts de la Chambre de l'agriculture, établissement public de caractère administratif, avant les prochaines élections, afin que cet établissement puisse remplir les missions qui sont les siennes. Sur le fond de la refonte, que vous contestez également, je ne fais que mettre en œuvre une politique agricole dont les principes ont été définis de longue date, en concertation avec le gouvernement précédent, dont vous faisiez partie, et le gouvernement actuel. Je vous rappelle ces principes fondamentaux, le développement et l'aménagement foncier, le développement de l'aménagement foncier, la mise en place de la société Kaihoturou pour permettre l'organisation d'un circuit de commercialisation des produits agricoles, le développement d'une agriculture durable, le regroupement des agriculteurs, et enfin, je reprendrai ici les termes d'un représentant de votre groupe politique, M. Fernand Romataroy, une révision des statuts de la CAPL et de l'organisation du SDR devrait être effectuée, donc qui est sortie des nouvelles de Tahiti le 20 février 2009. Ces principes sont progressivement mis en œuvre et vous venez me reprocher d'entreprendre l'application du dernier. Dernier principe par ailleurs dont la mise en œuvre a longtemps été appelée de ses vœux par la Chambre territoriale des comptes. Celle-ci souhaitait, je vous le rappelle, un redimensionnement et considérait au terme d'un de ses rapports qu'elle méritait certainement d'être réformée et modernisée.
D'abord, sur la composition de la Chambre, plus précisément du nombre d'élus au sein de son Assemblée générale, qui passe de 30 à 18 membres. Ce nombre engendrait un coût particulièrement important pour le budget de la Chambre, et pour reprendre une comparaison à laquelle vous semblez attaché, la Chambre de l'agriculture de la Nouvelle-Calédonie compte actuellement 35 membres, pour près de 13 000 agriculteurs. À l'heure actuelle, le nombre d'agriculteurs en Polynésie française serait près de 7 300. Les conditions d'éligibilité sont, vous le soulignez même si c'est en filigrane, aujourd'hui moins restrictives qu'avant, puisque pour pouvoir se présenter aux élections, il ne faudra justifier que d'une durée d'activité de 2 ans au lieu des 5 prévus initialement. Cette modification permettra à un plus grand nombre d'agriculteurs de se présenter aux élections du 15 mars prochain. En outre, vous décrivez le rôle du futur secrétaire général qui cornaquera en effet le président dans le sens où il le guidera et l'aidera dans la sphère de compétences administratives et budgétaires qui est la sienne, mais ne le remplacera pas puisque seul le président est l'autorité légitime. Le projet d'arrêté est entièrement justifié, non pas par des velléités dictatoriales comme vous le suggérez, mais par la nécessité de doter cet établissement d'un secrétaire général susceptible d'assister le président dans l'exercice de sa mission administrative et budgétaire. Cette nécessité s'est trouvée confortée par l'avis de l'inspection générale de l'administration rendu avant l'adoption de l'arrêté par le Conseil des ministres. Ce service conclut en substance que la mission d'audit en cours fait apparaître des dysfonctionnements en matière de gestion administrative et financière de cet établissement public. Par ailleurs, on observera que, contrairement à vos affirmations, la nomination du secrétaire général n'interviendra pas sur le fondement d'une décision du ministre en charge de l'agriculture, mais sur celle du Conseil des ministres. L'autorité compétente en la matière était et restera toujours le Conseil des ministres. Enfin, et puisque vous semblez lier le développement de l'agriculture à cette unique réforme de la Chambre de l'agriculture, je me permets de vous rappeler que le secteur agricole nécessite d'autres réformes d'ampleur actuellement en chantier ou abouties. Je pense à la société Keihoturau, au développement des techniques nécessaires à l'agriculture raisonnée, à la réglementation relative aux coopératives agricoles, aux pesticides, à l'agriculture biologique, à la recherche des infractions en matière phyto- et zoosanitaire, aux échanges interinsulaires. Autant de réformes qui ne se résument pas à l'exploitation des surfaces cultivables de notre pays que vous fixez de façon erronée à 5%. Or, il est logique que ce chiffre ne saurait concerner la surface agricole utilisée, la SAU, mais plutôt la superficie des terres dites émergeables qui correspond à l'ensemble des terres de la Polynésie française non cultivables pour des raisons essentiellement géographiques et cultivables, soit 352 000 hectares, superficie bien entendu encore réduite par le nombre de terres en indivision dans les archipels de la Polynésie française. Ainsi, le SDA compte aujourd'hui de 833 hectares de parcelles agricoles aménagées pour un total de 539 lots agricoles dont la surface moyenne est de 1,5 hectare. De 60 à 70% de la surface louée serait mise en valeur. Par ailleurs, une fois corrigée cette erreur de plume quant à la nature de la superficie concernée, il est évident que ces données issues du RGA de 1995 nécessite une actualisation qui doit porter la superficie agricole utilisée à près de 15%, c'est-à-dire 40 000 hectares de terres cultivables, ce qui correspond à la superficie agricole utilisée de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci représentait en 2002 247 871 hectares, soit 13% de la superficie totale de ce pays d'outre-mer. Voilà, Monsieur le Président, ce que le ministre de l'Économie rurale répondait au représentant M. Jacky Drolet. Marou. Merci, Madame Emma Algon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Yorana. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Solidarité. Je l'ai étendue à Monsieur le ministre de l'Éducation et de la Recherche et également à Madame la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et porte sur le fonds de continuité territoriale.
Mesdames et messieurs les ministres, les nouvelles dispositions de la LODEOM globalisent dans un fonds de continuité territoriale les crédits répartis entre l'aide à la continuité territoriale, le passeport mobilité études et le passeport mobilité formation professionnelle. Les modalités de répartition de ces dotations tiendraient compte de la distance entre la collectivité d'outre-mer concernée et la France métropolitaine. Le 28 avril dernier, le groupe Yorat Fenoua s'inquiétait dans un communiqué de l'avenir de l'aide à la continuité territoriale en Polynésie française en apprenant que l'enveloppe financière destinée à ce dispositif par l'État allait être considérablement réduite et que cette enveloppe budgétaire marquait une nette discrimination de traitement entre les citoyens ultramarins de la République. En outre, l'objectif de la loi de 2003, le premier dispositif, était de faciliter les déplacements entre le territoire polynésien et le territoire métropolitain. L'aide au passage aérien des résidents devait être déterminée par la collectivité bénéficiaire. Dans ce contexte, pour nous, l'aide à la continuité territoriale n'avait pas de caractère social. Les observations récentes de la CTC, certes, ont amené les pouvoirs publics à modifier les critères d'attribution, ce qui est fait. Aujourd'hui, on nous annonce les nouveaux plafonds de cette aide à la continuité territoriale, des plafonds qu'on n'aura jamais vus aussi bas et dont la conséquence immédiate est la réduction du nombre des usagers bénéficiaires. Vous l'avez dit d'ailleurs, Madame la Ministre. De toute évidence, les nouvelles dispositions de la LODEOM affichent clairement un caractère d'aide sociale, ce qui n'était pas le cas en 2003. L'enveloppe budgétaire passerait de 500 millions environ à 50 millions de francs, ce qui entraînerait également un manque à gagner pour les compagnies aériennes, et notamment la nôtre, avec l'effacement d'au moins 4 000 vols pour ATN. En ce qui concerne le passeport mobilité études, et le passeport formation professionnelle, les modalités de fonctionnement de ces dotations spécifiques ne sont pas connues. En tout cas, nous l'ignorons. Par ailleurs, la LODEOM prévoyait la mise en place d'un organisme de gestion et de contrôle du Fonds de la continuité territoriale. Nos interrogations sont les suivantes. Qu'en est-il à ce jour de cet organisme de gestion et de contrôle? Quelle forme, en fait, prendrait cet organisme? Pour quelles raisons sommes-nous arrivés à ces plafonnements de revenus extrêmes? Le pays a-t-il refusé de s'engager auprès du gouvernement central dans la mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs? Ou serait-ce tout simplement un manque de suivi du dossier? À quoi vont s'attendre les familles dont les enfants doivent poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle en France? Pour la bonne information de tous, pouvez-vous nous éclairer sur les modalités d'attribution de ces passeports, mobilité, études et formation professionnelle? Et d'autre part, quelles sont les enveloppes financières destinées à ces deux passeports? Je vous remercie infiniment de vos réponses. Merci. Maruru, Madame la Ministre. Maruru Prittini, Tatopa Atoyoran. Madame la représentante, je souhaite avant tout rectifier une des informations entretenues depuis la mise en place du dispositif de la continuité territoriale en 2004. Des informations que vous reprenez encore aujourd'hui pour affirmer que la continuité territoriale n'avait pas à l'époque de vocation sociale. Cette interprétation surprenante dont vous vous êtes fait le porte-parole en tant que ministre de Solidarité à l'époque, a donné lieu à toutes les dérives qui ont été dénoncées par la Chambre territoriale des comptes en 2007, repris dans le rapport de la Cour des comptes, pages 330 et 331, traitant du cas de la Polynésie française. Et je vais juste citer un passage. Le dispositif initial s'est très rapidement écarté des motivations exprimées par l'État, l'aide à orientation sociale, étant devenu à titre dérogatoire une aide à vocation quasi universelle. Et vous connaissez la suite. Suite à ce rapport, le pays a revu donc les critères d'attribution en mai 2007, et ce sont les mesures que nous appliquons jusqu'à ce jour, à savoir 3 fois le SMIG pour une personne seule et 5 fois le SMIG pour un couple.
Si l'on revient aujourd'hui au dispositif de la continuité territoriale, et surtout dans le cadre de la LODEOM, le pays a effectivement été saisi pour avis en début de cette année sur deux projets de décret, notamment celui relatif à l'organisation des modalités de fonctionnement et de gestion. Ils ont notamment proposé donc la mise en place du GIP, Groupement d'intérêt public. Et l'avis du pays a été rendu au haut-commissaire au mois de mars de cette année, le 22 mars 2010, pour accepter la mise en place de ce GIP. Malheureusement, aucune proposition en ce sens n'a été faite à la Polynésie. C'est ce que j'ai rappelé à la ministre de l'Outre-mer lors de mon déplacement en métropole au mois de juin, qui n'avait, semble-t-il, pas été informée que la Polynésie s'étant clairement positionnée en faveur d'un dispositif de gestion qui venait d'être mis en place à La Réunion. Et pourtant, un courrier a bien été envoyé au commissaire le 22 mars de cette année. Depuis août, nous tombent les nouveaux critères d'attribution revus à la baisse. Et là, très catastrophique, effectivement, 84 000 francs. Donc pour ceux qui gagnent 84 000 francs, une aide de 67 000. Et pour ceux qui gagnent en deçà de 108 000 francs, une aide de 41 000. Soit des conditions de plafond bien moins favorables qu'aujourd'hui. Aussi, j'ai demandé donc au commissaire, et notamment à travers lui, sollicité auprès de notre ministre de l'Outre-mer, d'ouvrir ce dispositif aux archipels. Le 14 septembre, le commissaire nous répond et nous annonce que l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est prévue pour le 1er octobre 2010 et que notre demande d'ouvrir ce dispositif au déplacement interarchipel n'est pas retenue par le ministre de l'Outre-mer. Un réexamen est prévu pour fin de l'année 2011. Aussi, vous comprenez qu'on ne peut accepter et attendre fin 2011 et continuer à gérer ce dispositif avec les conditions qu'il nous propose. Concernant votre dernière demande, votre dernière question sur le passeport de mobilité en faveur des étudiants et ceux qui partent pour une formation à l'étranger, il faut savoir que le décret n'est pas encore sorti. Donc jusqu'à aujourd'hui, les mesures appliquées sont toujours à l'ordre du jour. Voilà. Maruru. Merci. Juliette Ahuatama. Oui, Tarita Saint-Jou. Maruru Pretini, Monsieur le Vice-président, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, chers collègues Yoram. Depuis plusieurs jours, l'émotion est vive dans le pays où plane désormais la menace de suppression de nombreuses filières à l'Université de la Polynésie française. Inquiétude particulièrement vive partagée par les étudiants, leurs professeurs maîtres de conférences et leurs parents. Cette inquiétude gagne l'ensemble du pays en raison d'une réforme jugée inadmissible par tous, car elle pénalise en tout premier lieu les étudiants qui n'auront pas les moyens d'aller en France ou ailleurs suivre des formations que l'université va supprimer. Pénaliser aussi la politique d'océanisation des cadres en Polynésie française avec la suppression en 2012 des moyens qui préparent au CAPES, c'est-à-dire certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et de la licence d'anglais. Comme vous le savez, sans CAPES, les étudiants polynésiens ne pourront plus devenir professeurs du second degré au sein de l'université. L'inquiétude, voire l'angoisse des étudiants, a déjà pris la forme d'une pétition qui circule contre la disparition de la licence d'anglais. Les réunions se multiplient, la conférence de presse de la présidente de l'université n'a pas du tout apaisé les esprits. Professeurs et étudiants ont décidé de mener conjointement le combat contre une réforme pénalisante et injuste. Quelques commentaires donnent une idée réelle des risques encourus. Pour un professeur d'anglais de l'université Serge Denis, supprimer l'anglais, c'est couper les jeunes de leur histoire et de leur culture.
pour le docteur en sciences économiques Bruno Sora, on n'a pas eu d'informations en amont. On a l'impression que les choses n'étaient pas claires. Enfin, pour Madame Sylvie André, ancienne présidente de l'Université de Polynésie française, il y avait d'autres manières de réfléchir ensemble pour éviter cette suppression brutale du master enseignement. Tout le monde est d'accord pour dire que si on veut vraiment faire l'océanisation des cadres et garantir une égalité républicaine de tous les candidats au concours national, il faut que l'État haïtien ait les moyens de préparer le CAPES ici, sans quoi ils ne le passeront pas. La conférence de presse de la présidente de l'université ne semble pas avoir convaincu les intéressés, professeurs, étudiants et parents. Ma question est simple, Monsieur le Président. Le pays qui est représenté au sein de l'université va-t-il demander au conseil d'administration de l'UPF qui se réunit le 12 octobre 2010 de revoir cette réforme trop brutale dans son application, trop pénalisante à la fois pour les étudiants polynésiens actuellement à l'université et ceux qui, demain, auront fait le choix d'un master d'enseignement et qui, faute d'existence de ce master ici, chez nous, devront aller suivre cette filière à l'étranger? Combien en auront vraiment les moyens? Depuis 2004, 125 étudiants ont réussi leur CAPES à l'UPF. Allez-vous laisser notre enseignement universitaire s'installer dans la régression et nos étudiants s'exiler alors même qu'ils disposent d'un outil extraordinaire voulu par le président Jacques Chirac, l'Université de la Polynésie? Voilà. Merci. Donc, je demande au gouvernement de répondre à la question posée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, c'est le public, le ministre de l'Éducation, vous le savez, est actuellement absent du territoire, donc je joue le remplaçant. C'est l'équipe réserve qui monte, comme d'habitude. Madame la représentante, vous avez bien voulu nous interpeller sur la vive émotion suscitée au sein du corps des enseignants et des étudiants par la menace de suppression de nombreuses filières, prévue donc au titre de la maquette de formation de l'Université de la Polynésie pour les années 2012 à 2015. Il est vrai que la presse s'est largement fait l'écho de ce mécontentement causé par cette annonce au sein du microcosme universitaire. En propos liminaire, permettez-moi de vous rappeler que l'université est un établissement relevant de la compétence de l'État et que la Polynésie n'est associée à son fonctionnement qu'au travers d'une représentation au sein de son conseil d'administration. Le ministre de l'Éducation et de la Recherche, membre du dit conseil, n'a pu assister à la réunion de cette instance le 6 septembre dernier, au cours de laquelle fut présentée en effet cette fameuse maquette de formation pour la période 2012-2015. Pour autant, il a fait part de la position du pays sur les orientations de ce contrat pluriannuel, qui est actuellement en cours de finalisation, et des orientations donc formulées par lettre du 6 septembre dernier, dont je vous livre ci-après les principales réflexions. Il rappelle en effet d'abord que l'enseignement supérieur est pleinement de la compétence de l'État et que l'université participe au développement de notre pays au titre 1 de la formation de nos cadres supérieurs et par les activités de recherche lorsqu'elles contribuent à notre essor économique. Il souligne ensuite tout l'intérêt que le pays porte au devenir de son université, bien sûr, rappelant que la loi statutaire en son article 37 associe le gouvernement au contrat d'établissement passé entre l'État et les établissements universitaires. Le ministre se félicite ensuite du choix des experts
que j'ai eu l'occasion moi-même de rencontrer, M. Christian Forestier, qui est administrateur général du CNAM, dans la parfaite connaissance du monde éducatif, n'est plus à démontrer, et M. Michel Laurent, président-directeur général de l'IRD, avec lequel nous collaborons déjà dans nos activités de recherche. Ces experts ont eu l'occasion de s'entretenir avec chacun des ministres membres du conseil d'administration de l'université. À ce titre, en ma qualité de vice-président, j'ai pu ainsi avoir la primeur des conclusions de leurs expertises. Je réaffirme ici, au nom du gouvernement, le soutien du pays à la démarche d'actualisation de la carte de formation et son adhésion aux grandes orientations retenues, parmi lesquelles celle d'une université typée, avec une identité propre affirmée dans la zone Pacifique, participant ainsi au rayonnement de la Polynésie et de la France dans une région à dominante anglophone. Cette identité typée pourrait trouver, par exemple, sa légitimité dans la biodiversité polynésienne, dont la richesse n'est plus à démontrer. Le bilinguisme anglais-français, pratiqué en transversalité, donnerait ainsi un caractère propre aux enseignements délivrés à l'université. D'où le caractère typé, adapté à notre Polynésie. Donc, avec une identité propre affirmée, avec des formations qui soient aussi adaptées, dont le souci permanent reste celui de l'insertion professionnelle de nos diplômés. Ces formations devront être suffisamment flexibles pour évoluer avec l'étroitesse du marché de l'emploi local, considérant que le nombre de filières menant au métier de l'enseignement, il estime en effet que beaucoup d'étudiants, ne trouveront plus de débouchés à moyen, voire à court terme. Il arrive là un moment où on aura trop d'étudiants en langue pour pouvoir occuper le nombre de places disponibles dans l'enseignement. Le ministre préconise la création d'une licence pluridisciplinaire qui permettrait ainsi une reconversion rapide s'agissant du second degré et une meilleure adaptation aux fonctions de professeur des écoles pour le premier degré. Le ministre note que de nouveaux domaines devront être exploités, qui est important aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé ici même dans cette enceinte. Il s'agit de celui du numérique, de l'entrepreneuriat, des énergies renouvelables, etc. Deuxième volet, c'est celui de l'amélioration de la réussite de nos étudiants. Nous insistons sur un taux d'échec préoccupant, particulièrement en première année. Faut-il rappeler que notre population estudiantine est composée à 70% de bacheliers technologiques ou professionnels, ce qui n'est pas commun et expliquerait en partie ce taux d'échec. Le ministre note que ce constat s'applique aussi aux bacheliers de l'enseignement général, et là, ça nous interpelle naturellement encore plus. Nous nous interrogeons sur la nécessité de mettre en place une première année de mise à niveau. Il souligne, le ministre, qu'une plus grande professionnalisation de certaines filières serait une autre réponse à cette problématique. Le CNAM pourrait être alors associé à la mise en place d'une licence plus adaptée au profil de certains de nos étudiants. Nous insistons aussi sur la nécessité de rénovation et d'innovation pour répondre au mieux aux espoirs que le pays met en son université. Une université ambitieuse qui vise l'excellence en conduisant un maximum d'étudiants vers un diplôme négociable sur le marché local. Enfin, dans sa lettre, il conclut sur le pôle recherche en soulignant que son orientation est des plus satisfaisantes avec les partenariats qui ont été noués dans le cadre du Grand Observatoire du Pacifique Sud et du projet d'unité mixte de recherche en collaboration avec l'Institut Louis Malardé, l'Institut de la Recherche et du Développement et l'IFREMER. Donc, pour répondre plus précisément à vos interrogations et apaiser vos inquiétudes, Madame la représentante, Mesdames et Messieurs, ainsi que celles des étudiants quant à l'enseignement de la langue anglaise, j'ai pris donc attache du cabinet du ministre. Je peux vous assurer qu'il ne sera pas sacrifié. Il figurera au contraire
dans des cursus dont il était absent, comme les disciplines juridiques par exemple. Mais il est vrai que d'une conception purement littéraire de l'enseignement de la langue anglaise, nous devons évoluer. Et c'est tout le sens du projet. Nous devons évoluer vers une pratique de l'anglais correspondant aux besoins d'une société ouverte à l'international et intégrée, fondée sur l'échange et les technologies du futur. Vous avez l'impression là d'entendre le président du Taveni, n'est-ce pas? Si notre ministre salue cette nécessaire évolution, car il faut qu'il y ait évolution, il n'en reste pas moins vigilant pour défendre les intérêts de nos jeunes étudiants. Je puis vous assurer que nous veillerons aux intérêts de nos étudiants. Nous veillerons à ce que les évolutions de la maquette des formations proposées pour les prochaines années, que pour l'heure nous ne pouvons que juger positives naturellement, mais nous veillerons à ce qu'ils ne se révèlent pas contraires aux intérêts de notre pays en réduisant les possibilités de formation offertes à notre jeunesse. Nous devons donc nous doter de l'encadrement nécessaire à la construction de la Polynésie de demain. L'Université de la Polynésie française en est l'outil indispensable. Nous sommes tous d'accord sur ce principe. Nous demeurons donc vigilants sur les évolutions proposées qui doivent prendre en compte les exigences d'une société moderne, société en pleine mutation, avec notre volonté de proposer à notre jeunesse un avenir pour demain. En d'autres termes, nous devons en effet, et il sera difficile pour nous de ne pas aller dans le sens de l'évolution, si nous ne voulons pas demain mettre sur le marché des chômeurs à col blanc. Merci. Bien, nous poursuivons notre séance de questions orales avec l'intervention de la représentante du groupe Tutatoaia, Eleonore Parker. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé et a pour objet les axes d'orientation de la politique de prévention du gouvernement. Monsieur le ministre, dans le cadre de l'environnement budgétaire très limité de 2011 et au vu de l'attitude de l'opposition qui réoriente en commission tous les crédits comme bon lui semble, sans pour autant détenir tous les éléments nécessaires à ces réorientations, nous sommes soucieux de devenir de certains outils de prévention dont dispose la Polynésie. En 2008, la Maison du diabétique a représenté un coût de 48 964 540 francs, avec des subventions de 33 964 000 540 francs provenant de l'EPAP et 15 millions provenant du pays. Cette association assure la prévention d'une maladie qui coûte à l'assurance santé la somme de 2 464 961 678. Pour ainsi dire, le diabète coûte alors 50 fois plus que sa prévention. À la lumière de ces comparaisons, nous sommes convaincus que la prévention du diabète aura des résultats concrets sur la santé, mais également sur les finances du pays et de la CPS. Et cela ira croissant si nous nous attelons à pérenniser cet outil de prévention. L'effort à parier que les coûts de l'assurance santé diminueront considérablement in fine, et c'est ce qui nous semble essentiel. Aussi, nous souhaiterions avoir des éclaircissements sur la politique de prévention à venir du gouvernement pour pallier aux situations difficiles dans lesquelles les établissements tels que l'EPAP et la Maison du diabétique se trouvent. Comment le gouvernement compte-t-il assurer la pérennité de ces plans de prévention? Nous faisons toute confiance au gouvernement pour assurer la pérennité de sa politique de prévention et trouver des solutions innovantes à cette fin. Car si la situation de ces entités est inquiétante, la politique de prévention ne repose pas uniquement sur eux,
et bien des idées ont été récemment énoncées pour pallier, à coût égal, voire à moindre coût, à la problématique de la situation financière des satellites du pays et au maintien des programmes de prévention. Aussi, nous vous serions gré, Monsieur le ministre, de bien vouloir nous faire un point sur les axes d'orientation de la politique de prévention mise en place par le gouvernement à l'aune du budget 2011. Je vous remercie, Monsieur le ministre, des éléments d'information que vous pourrez nous apporter. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Président. Bonjour, Président, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis du public, chers amis journalistes, bonjour. Merci, Madame Parker, de votre question. Alors, dans le contexte préoccupant que connaît actuellement effectivement la Polynésie française, le service de santé est confronté à une urgence. Pouvoir accueillir dans ses structures les Polynésiens frappés de plein fouet par la crise, qui ne pourront plus s'adresser aux professionnels de santé libéraux aussi facilement et qui vont se retourner vers les structures de santé du pays. Mais, parallèlement, nous ne devons pas relâcher notre effort en matière de prévention. En effet, dans ce domaine, c'est pour l'avenir que nous agissons, c'est dans l'avenir que nous investissons. Nous devons garder le cap d'une politique de prévention volontariste, mais qui soit réaliste eu égard aux contraintes budgétaires actuelles. Beaucoup pensent que rien n'est fait en matière de prévention, car, par exemple, ils ont l'impression qu'il y a toujours autant de personnes en surpoids en Polynésie française. C'est une vision pour le moins simpliste. La prévention, ce ne sont pas que quelques affiches et quelques spots télé, ce ne sont pas simplement quelques séances d'information ou quelques journées de dépistage épisodique. C'est ça aussi, mais ça n'est pas que cela. En effet, la politique de prévention sanitaire, c'est un ensemble. Elle doit répondre à plusieurs objectifs et définir des priorités d'action. Ce que nous voulons, c'est préserver la santé afin d'éviter la survenue de maladies et pour cela promouvoir le bien-être familial et social et œuvrer pour une qualité de vie et un environnement sain. Mon ministère a décliné les objectifs opérationnels de notre politique de prévention suivant trois axes. Le premier axe, c'est grandir en santé. Le deuxième, c'est choisir la santé. Et le troisième, vivre en santé. Grandir en santé. Cet objectif est dévolu d'abord au grand service de médecine préventive dont la direction de la santé a progressivement construit le réseau, la protection infantile, la protection maternelle, l'hygiène scolaire, l'hygiène bucco-dentaire. Dans un souci d'efficience et d'amélioration de la synergie de leurs actions respectives, j'envisage de procéder prochainement au regroupement des services de protection infantile et de protection maternelle en une seule PMI, c'est-à-dire une protection maternelle et infantile. Pour se convaincre de l'efficacité de ces services, il suffit de regarder l'évolution des taux de mortalité, c'est-à-dire le nombre de décès d'enfants âgés de moins d'un an pour 1000 naissances vivantes, qui diminue régulièrement depuis 1994, 9,8 pour 1000, en 2000, 6,9 pour 1000 et en 2008, 5 pour 1000. Ou du nombre de naissances, le taux de natalité s'est stabilisé à 17,6 pour 1000 habitants depuis 2004 et le nombre moyen de naissances par an s'élève à 4510 depuis 5 ans. La Chambre territoriale des comptes a souligné l'importance de l'action de l'hygiène scolaire en comparaison avec ce qu'elle est en métropole. Quant à l'hygiène dentaire, nous n'avons qu'à nous souvenir de l'état des bouches des enfants il y a quelques années. À côté de ces grands services, il en existe un de dimension plus modeste, mais à l'action opiniâtre est soutenue depuis plus de 20 ans et qui porte deux programmes consacrés à la lutte contre les addictions, tabac et alcool, et toxicomanie. La réglementation sur les lieux sans tabac a pu être adoptée début 2010, vous vous en rappelez. Le programme polynésien de lutte contre l'alcool et les toxicomanies 2009 à 2013 définit les stratégies d'action auxquelles tous les acteurs doivent se référer pour atteindre les objectifs fixés. Nous travaillons actuellement avec le service des affaires administratives à une actualisation de la réglementation sur l'alcool. La promotion de la planification des naissances et d'une sexualité responsable demeure également au cœur de nos préoccupations par l'ampleur de la population cible, les femmes, les jeunes, les enfants, et du vaste champ des problématiques qu'elle englobe, un enfant voulu au moment voulu, la prévention des grossesses précoces ou tôt rapprochées et de l'IVG, la prévention des violences faites aux femmes et aux enfants et la délinquance sexuelle. L'objectif 2, et aux hommes comme dit notre vice-président. Objectif 2, choisir la santé. Cet objectif repose sur deux axes.
Le premier s'efforce de prévenir l'obésité et d'éviter l'apparition des maladies liées à une mauvaise alimentation. Véritable enjeu de société pour la Polynésie française, qui subit de plein fouet cette épidémie mondiale et se place au premier rang des pays atteints. 70% de la population en surpoids, 40% d'obèses, 18% de personnes atteintes de diabète. Le diabète et l'hypertension artérielle sont les premières causes de mise en affection de longue durée par la CPS, les maladies cardiovasculaires la première cause de mortalité et responsable de complications dramatiques telles que les accidents vasculaires cérébraux et les infarctus. Le second objectif vise à renforcer le dépistage et la prise en charge précoce des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme et les cancers. Les patients à risque, antécédents familiaux, en surpoids, sédentaires, tabagiques, souvent jeunes et actifs, doivent se soumettre au dépistage et éventuellement à une prise en charge sérieuse de leur maladie, nécessitant des changements de mode de vie et parfois une prise de médicaments. L'accompagnement est efficacement réalisé par des équipes formées à l'éducation thérapeutique pour le diabète, l'asthme ou les maladies cardiovasculaires. L'objectif 3, vivre en santé. C'est dans ce domaine que l'on trouve les programmes de lutte contre les maladies infectieuses comme la filariose, dans le cadre duquel nous avons repris en 2010 la distribution systématique de médicaments antifilariens, mais selon une nouvelle méthode, la prise observée directe. Autre maladie infectieuse dont on s'occupe, la tuberculose. Une autre, le RAA, pour lequel il faudra évaluer et vraisemblablement réécrire le programme de lutte. Le sida également, et la prévention de la survenue d'épidémies de dengue, de grippe et toute autre maladie émergente. Contrôler la qualité de l'environnement en contrôlant l'hygiène de l'eau, des aliments, de l'habitat, du traitement des déchets, c'est aussi faire de la prévention et c'est ce que nous faisons également quotidiennement. Tout autant que favoriser la qualité de vie des familles et soutenir les groupes vulnérables. C'est entre autres le rôle du CAMS, Centre d'action médico-sociale et précoce, qui s'est progressivement développé au sein du Centre de protection infantile et rayonne dans les archipels. Il est maintenant prêt à devenir autonome et intégrera un centre dédié sur le site de l'actuel hôpital Jean-Prince, où j'ai un projet ambitieux de pôle santé mentale financé par le contrat de projet dans l'objectif amélioration de la prise en charge de la santé mentale. Ce projet est en attente du déménagement vers le nouvel hôpital. Les priorités d'action en 2011. Malgré la diminution prévisible des moyens qui vont être disponibles, le ministère de la Santé va garantir le maintien des services de médecine préventive pour assurer à la population la surveillance régulière et efficace de l'état de santé des femmes, des nourrissons et des enfants scolarisés. Du programme de vaccination obligatoire, qui est particulièrement performant pour un coût annuel moyen de 160 millions. De la campagne de vaccination annuelle contre la grippe saisonnière, dont je peux vous annoncer d'ailleurs qu'elle va démarrer la semaine prochaine, pour un coût annuel moyen de 11 millions. Il va également évaluer, renforcer et actualiser ses grands programmes de santé publique de lutte contre certaines pathologies infectieuses, comme le rhumatisme articulaire aigu, je vous l'ai dit tout à l'heure, la filariose, la tuberculose. Le dépistage des cancers gynécologiques, coût d'environ 150 millions par an. Ce programme ambitieux mis en place en 2003 doit bénéficier d'une refonte dans son organisation et son financement, afin d'en améliorer la performance au bénéfice des femmes polynésiennes. Son programme va être révisé. Mais la priorité va être donnée à la mise en place d'un plan de lutte contre le diabète, regroupant tous les acteurs concernés par cet enjeu majeur de santé publique, tandis que les actions de prévention de l'obésité seront maintenues. Il me reste à souligner que le ministère de la Santé n'a pas le monopole de la prévention. Nous développerons bien évidemment les collaborations avec nos partenaires institutionnels, en particulier mes collègues en charge de la solidarité, de l'éducation, des transports terrestres, de la jeunesse et des sports, chaque ministère ayant son propre programme de prévention. Nous continuerons également à travailler avec les associations qui œuvrent dans le domaine de la santé et qui méritent notre soutien, comme la Maison du diabétique telle que vous l'avez signalé tout à l'heure, l'association Agir contre le sida, l'association SOS Suicide par exemple. La CPS, en charge de l'assurance maladie, doit faire face à un déficit financier important. Ces administrateurs ont évoqué leur nécessaire implication dans le dispositif de prévention. Nous pourrions lui proposer que celle-ci se fasse par le biais notamment d'une participation à la prise en charge des vaccins et du dépistage des cancers gynécologiques. En conclusion, l'amélioration de l'état de santé de la population par une médecine préventive de qualité, l'éradication des grandes épidémies et la prévention des maladies non transmissibles grâce à des programmes de prévention bien conduits, sont nécessaires pour maîtriser les enjeux de santé des années à venir.
Chaque acteur de la société doit prendre sa place dans le dispositif de prévention en y apportant ses compétences et ses moyens. Merci. Merci. Donc, je demande à Mme Mounouté-Arichon de poser sa question. C'est bon? Ok. Monsieur le ministre de la Culture, Yorana, avant de vous poser la question, je voulais juste vous dire que j'étais contente de voir que vous avez refusé, enfin vous avez réussi à éteindre les incendies qui démarraient dans vos établissements culturels et que vous avez compris que la pensée unique dans le domaine de la culture est le meilleur moyen pour la tuer. Et vous avez pris conscience de l'importance de libérer l'expression culturelle, y compris dans les structures, dans les établissements sous votre tutelle. Donc, voilà, Monsieur le ministre Maruru. Et maintenant, je vous pose ma question au sujet de ce problème qui date depuis si longtemps de la SACEM. Donc, en janvier de cette année, la SACEM a décidé de mettre fin le 31 décembre 2010 au contrat de réciprocité SACEM-SPACEM suite à la gestion catastrophique de la SPACEM depuis des années. Et je cite, « On prend cette décision à partir du moment où on a une société qui fonctionne dans le pays, mais qui ne règle pas les artistes convenablement. Elle annonce les payer par analogie. On ne sait pas ce que ça veut dire, si ce n'est que les artistes sont payés sans feuille de salaire. Pour nous, c'est de l'escroquerie. Depuis la dénonciation de cet accord, rien ne semble bouger du côté de la SPACEM. Il a été question aussi de la création d'une nouvelle structure de gestion des droits, mais rien non plus de ce côté-là a été officialisé. Aussi, en tant que ministre de tutelle de la SPACEM, quelles mesures pensez-vous prendre pour soutenir les ayants droit polynésiens qui subissent cette situation qui n'a que trop duré ? Par ailleurs, quelle est votre position quant à la création d'une nouvelle société de gestion collective en Polynésie qui entend partir sur de nouvelles bases et renouer avec la SACEM ? Le potentiel de création artistique musicale et les perspectives de développement économique que cela pourrait entraîner ne doivent pas être sous-estimés, car ils sont bien réels. Le secteur culturel et artistique dans son ensemble doit être reconnu à sa juste valeur, tant au niveau social qu'économique. Maruru. Merci, Monsieur le ministre. Maruru Brigittini. Mono Brigittini, tato mo fa treho tofa, tato mo ti ama ti et non a. Mo papa e tato pa to i amu mai ora na tato chore reina. Maruru me te te uida. Sasem, spasem. Tapu oti te i. Imi e jira vea. Madame la représentante, vous soulignez avec justesse l'importance du potentiel de création artistique dans le domaine de la musique et les perspectives réelles du développement économique qui y sont attachées. Ce domaine est en déclin depuis plusieurs années, avec notamment une chute drastique de la population, de la production pardon, musicale et de la disparition des trois quarts des labels polynésiens. Mon ministère souhaite aider la musique à retrouver la place qui doit être la sienne au travers d'actions visant à sauvegarder le patrimoine musical actuel et à encourager la production artistique dans ce domaine. Nous le faisons déjà en aidant certaines associations et en subventionnant certaines manifestations dans le domaine de la musique. Maintenant, s'agissant des ayants droit des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SACEM et la SDRM ont effectivement dénoncé le contrat de réciprocité qui est lié à la SACEM.
par lettre du 18 décembre 2009, avec effet au 31 décembre 2010, compte tenu du non-respect de certaines obligations contractuelles. Il serait vain de rentrer dans un débat sur les responsabilités réciproques, d'autant que la justice est désormais saisie de la question. Je ne puis que regretter que les choses en soient arrivées à ce point. Même si les dispositions réglementaires applicables ne m'autorisent pas à m'immiscer dans la gestion d'une société de perception et de répartition de droits d'auteur tels que l'ASPACEM, ni dans un problème contractuel entre deux sociétés civiles de droit privé. Pour autant, en tant que ministre de la Culture, je ne pouvais pas rester les bras croisés devant une telle situation. C'est pourquoi des contacts ont été pris avec l'ASPACEM, avec la SACEM et avec les autorités de l'État, en vue de la mise en place de solutions visant à assurer nos artistes la gestion de leurs droits d'auteur. La question est complexe. En effet, si l'idée de la création d'une nouvelle structure de gestion collective fiable, performante et susceptible de renouer les liens avec la SACEM semble bonne, il ne faut pas faire table rase des droits de nos artistes qui restent encore aujourd'hui en attente de leur paiement. Nous restons en contact avec l'État sur ce problème. En outre, j'ai d'ores et déjà demandé au service de la culture d'étudier les possibilités d'adaptation du code de la propriété intellectuelle afin de permettre au ministre en charge de la culture et au Conseil des ministres d'accorder un agrément à une nouvelle société de la gestion de droits d'auteur, ce que les textes actuels ne permettent plus depuis 2004, suite au transfert de cette compétence à la Polynésie française. En effet, pour répondre complètement à votre question, j'ai demandé à mes équipes de réfléchir à la mise en place d'un statut de l'artiste en Polynésie française qui permette d'assurer des revenus aux auteurs et compositeurs de musique, mais également aux interprètes, et qui s'étendra aux autres domaines culturels tels que le théâtre, l'audiovisuel et la danse. Soyez certaine, Madame la représentante, que la question de la gestion des droits d'auteur reste au cœur de nos préoccupations et de notre action. Marou. Merci, Madame Françoise Tama. Cette question n'est pas si actuelle, mais l'embauche, c'est tout le temps actuel. Alors, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va répondre à la question. C'est adressé au président du gouvernement, qui n'est pas là. Oui, il y a quelqu'un qui répond. Alors, l'objet de la question est l'embauche en France pour la Polynésie. Monsieur le Président de la Polynésie, en 2009, le Président Oscar Manokaite Maru demandait solennellement à l'État de renouveler la concession d'exploitation de l'aéroport de Te Tifa'a au bénéfice de la Sept-Îles Aéroport. Cette demande a d'ailleurs fait un consensus de toute la classe politique. En juillet 2009, un comité de majorité auquel vous participiez actait à l'unanimité que le pays devait demeurer majoritaire au sein de l'opérateur gestionnel de l'aéroport international. La recapitalisation de 1,5 milliard de la Sept-Îles Aéroport sur 5 ans par tranche de 300 millions par an était même programmée au budget 2010. Ce renouvellement de concession devait permettre au pays de maîtriser et de favoriser de façon durable les entrées touristiques. Le tourisme qui est notre première ressource économique. Mais pour une raison encore indéterminée, vous vous empressiez de renverser le gouvernement de Maru et vous rompiez de ce fait l'accord de majorité précédemment cité et de connivence avec l'État, vous décidiez seul le 12 janvier 2010 et sans que l'Assemblée de Polynésie n'ait été saisie de signer le protocole d'accord portant création du comité d'orientation stratégique de l'aéroport de Te Tifa'a.
Aussitôt après, nous apprenions la nomination de l'ancien directeur de projet de la société Aegis, Pierre Max, conseiller technique en charge du dossier de renouvellement de la concession de Tahiti Faa'a au ministère de l'Outre-mer. Hasard, coïncidence, connaissant vos dispositions naturelles pour le Béni Oui-Oui, nous pensons que vous avez tout simplement bradé notre autonomie et vous avez alors tout simplement dépossédé le pays en lui ôtant la gestion de l'aéroport international. Je ne sais ce qu'en pensent vos nouveaux ex, futurs, futurs ex, amis de Tahoe-Ra, mais malheureusement, vous nous avez fait replonger dans cette lamentable époque des gouverneurs. Vos procédés vont exactement à l'encontre de notre développement et de la mission d'accompagnement que la France a souhaité, si tel est le cas, pour les territoires dont elle a la tutelle en signant la charte du 14 décembre 1960 à l'ONU. Aujourd'hui, au mépris de la réglementation, l'État a octroyé la concession trentenaire à la SAS ADT, société détenue par Aegis, filiale à 100% de la Caisse de dépôt et consignation, sans aucun appel d'offres, arguant que nous n'étions plus capables de gérer notre aéroport. ADT a la concession à serrer ses périls. Elle va, à terme, pouvoir se distribuer les dividendes générés par le travail de la Sept-Îles Aéroport et de ses employés. Les actionnaires de la plateforme Tahiti Faa'a sont dans des bureaux parisiens à 20 000 km de la Polynésie, déconnectés de la réalité du terrain. Ils débarquent uniquement pour tenir le conseil d'administration, les assemblées générales et rembarquent sur Paris bien avant la rédaction des procès-verbaux. Les Polynésiens ne sont plus aux commandes de cet outil de travail patiemment élaboré au fil des décennies. Alors que la crise économique sévit depuis 2 ans, que toutes les économies subissent des destructions d'emplois, plus de 600 000 emplois détruits en France en 2008-2009, plus de 9 000 emplois perdus pour nous ici en Polynésie, vous apprendrez par la présente que ADT filiale d'Aegis et une multinationale recrute directement sur le marché métropolitain les cadres manquants au management de la plateforme aéroportuaire de Tahiti Faa'a, au détriment de nos enfants diplômés. Merci, M. Tang Song. Tout comme Maurice Allais, le seul Nobel d'économie français. J'affirme que cette politique à outrance du laisser-faire ne fera qu'augmenter le nombre de chômeurs quand elle plongera nos pays dans une crise morale et sociale sans précédent. Monsieur le Président, la gouvernance de M. Oscar Manoudhaitemaru avait pris un texte pour la protection de l'emploi local. Le haut-commissaire, soucieux des intérêts de ses compatriotes métropolitains, s'est empressé de crier à la discrimination. À présent que vous bradez nos entreprises stratégiques multinationales comme Aegis, Canada Overseas et autres, la première question est de vous demander, pouvez-vous nous dire comment comptez-vous préserver l'océanisation des cadres de notre pays? Et pour la deuxième, plus encore, comment comptez-vous, ou comptez-vous tout simplement, protéger l'emploi local pour nos enfants? Je vous ai joint en annexe une offre d'emploi sur Internet. Je crois que vous avez vu, mais ça, c'est quoi? C'est une offre parmi tant d'autres. Et tous les jours, on a ce problème-là. Et la question est vraiment l'inquiétude sur l'embauche locale. Et nos enfants sont en train d'errer dans la nature avec les diplômes souvent. Il n'y a pas de réponse. C'est ça la grande question. Monsieur le vice-président, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Mais moi, je connais la réponse, mais j'attends votre réponse. La réponse... Tant qu'on est français, les Français ont le droit de travailler ici. Merci. Ah, mais j'attends une réponse quand même. Représentante, donc la réponse a été donnée. Vous souhaitez quand même répondre? Vous avez la parole. Ouais, on va essayer. En tant que suppléant, remplaçant. Madame la représentante. Sur un ton pour le moins véhément, à la limite parfois de l'injurieux,
nous accusant même de brader notre autonomie, vous venez de nous interpeller sur les conditions d'embauche des cadres de la société Aéroport de Tahiti, gestionnaire de la plateforme aéroportuaire de Faa. Je ne m'attarderai pas sur l'outrance de vos propos, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sur les procédures de changement de concessionnaire, je rappellerai simplement, chose que vous savez déjà, que l'aéroport de Tahiti Faa relève de la compétence de l'État. Et que si nous avons perdu la gestion de cet aéroport aujourd'hui, c'est à cause cette fois-là de notre incompétence collective. À cause de notre incompétence collective. Nous avons cependant obtenu de l'État que le pays soit étroitement associé à son développement. Ces accords figurent dans un protocole de partenariat stratégique précisant le cadre et les conditions de notre coopération que le président Thong Son a signé il y a quelques mois. Nous avons en outre obtenu de l'État que le président du conseil d'administration de la société Aéroport de Tahiti soit nommé par le pays. Le choix d'un grand groupe de renommée mondiale comme Egis, société de droit français, s'imposer pour faire accéder cette plateforme aux meilleurs standards internationaux en matière aéronautique et permettre de doter la Polynésie d'un aéroport digne de ses ambitions en matière de développement touristique. C'est ce que nous avions tous souhaité. Et je vous rappellerai simplement ici qu'au temps du gouvernement du Tawera Huidatira de M. Floss, nous avions même, M. Floss avait même lancé un projet digne d'un aéroport international. Malheureusement, vous nous aviez renversé. Je rappelle encore que contrairement à la concession octroyée à la CETIL, n'est-ce pas? Contrairement à la concession octroyée à la CETIL, l'aéroport qui bénéficiait de la garantie financière de l'État, la nouvelle concession s'exerce au risque, péril ou profit du concessionnaire des aéroports de Tahiti. La participation du pays au capital d'ADT, 300 millions de francs inscrits au budget 2010, devrait permettre de lever les emprunts nécessaires pour réaliser dès 2011 les premiers investissements structurants de cette plateforme. Le montant estimé de cette première tranche de travaux s'élève à environ 2 milliards de francs. Elle concerne le renforcement de la piste et sa mise aux normes pour recevoir l'Airbus trigloporteur A380, avion français, puis la rénovation et la restructuration de l'aérogare et des zones commerciales recevant les passagers. Vous nous interpellez ensuite sur des prétendus recrutements de cadres qui seraient effectués en métropole au détriment, dites-vous, de nos enfants diplômés. Il est vrai que la société ADT doit procéder dans les prochains jours au recrutement de son directeur de ressources humaines, un poste hautement stratégique, nous dit-on, dans cette phase de changement et de réorganisation. Contrairement à ce que vous présupposez et affirmez, Madame la représentante, et avec tout le respect que je vous dois, la société ADT recrutera localement une personne de grande qualité qui occupe pour l'heure des fonctions identiques dans une autre société de la place. Au rang des critères de cette sélection figurait la connaissance pratique du droit polynésien du travail, une expérience reconnue de la gestion administrative d'une grande société, ainsi qu'un sens aigu des relations humaines. Il est exact que la société ADT a sollicité la société Egis en métropole pour élaborer le profil du poste et le référentiel des compétences et aptitudes requises des candidats. Pour autant, elle a privilégié l'embauche locale en faisant appel à un cabinet spécialisé. Pour ce qui concerne la pièce qui est jointe à votre question, donc l'appel à candidature qui a été lancé par la société APEC, je confirme en effet, nous l'avons vérifié, que cet appel à candidature a été lancé sur le territoire métropolitain et non sur le territoire polynésien. Mais néanmoins, des consultations ont eu lieu par la suite. Le processus donc d'océanisation des cadres n'est donc pas un vain mot, puisqu'en fin de compte, le candidat retenu sera polynésien. Encore faut-il que nous incitions notre jeunesse, richesse et avenir de notre pays à posséder les niveaux de compétences et d'expérience
que requièrent les fonctions d'encadrement supérieur dont nous avons besoin dans les entreprises, mais aussi dans nos institutions et établissements publics. Car si on se réjouit aujourd'hui que ce candidat, dont l'appel à candidature a été lancé sur le territoire métropolitain, il sera polynésien, mais il sera retiré à une autre entreprise polynésienne. Ce qui, en effet, est préjudiciable pour cette entreprise, mais enfin, néanmoins, pour nous rassurer dans nos soucis, ce candidat pour l'aéroport de Tahiti sera polynésien. C'est une des préoccupations, vous le savez, de notre gouvernement. Le ministre de l'Éducation et de la Recherche s'attache d'ores et déjà à privilégier l'affectation en Polynésie des jeunes Polynésiens titulaires des diplômes requis. Que ce soit au travers de la charte de l'éducation en cours de rénovation ou encore par le choix des filières éligibles au dispositif des bourses majorées, nous travaillons à favoriser l'émergence des talents et compétences locales. Ce processus sera étendu à toutes les sphères des activités économiques et sociales dans le respect des principes républicains de l'égalité d'accès aux charges et responsabilités, qu'elles soient publiques ou privées. Je sais que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire, mais croyez-moi que nous sommes déterminés à donner à notre jeunesse toutes les chances pour réussir et à notre pays les compétences requises pour lui permettre d'assurer son développement et son avenir au sein des valeurs de la République. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Président. Maruru, donc nous en avons fini avec la séance de questions orales. Je vous propose de démarrer par l'examen du premier rapport, à savoir le rapport 83-2010 portant sur le projet de loi de pays portant réglementation applicable aux paquebots de croisière effectuant des croisières touristiques en Polynésie. Est-ce que le gouvernement veut intervenir pour l'économie générale de ce projet? Nous attaquons le rapport 83-2010 sur les paquebots de croisière. Est-ce que vous voulez intervenir pour l'économie générale? Sinon, je donne la parole au rapporteur. Donc, on va demander au rapporteur de donner lecture de son rapport. Tamuro fatera auto tatu finu fali mei tapo arfa tatu tu moti amai tia tatu tu fa e tatu poru tiaro fa yerhe. Monsieur le Président, par lettre numéro 51-58-11 PR du 16 août 2010, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant réglementation applicable aux paquebots de croisière effectuant des croisières touristiques en Polynésie française. Le tourisme de croisière connaît une forte croissance au niveau mondial, 7,4% par an ces 30 dernières années. 13,5 millions de croisiéristes ont voyagé en 2009, générant un chiffre d'affaires d'environ 100 milliards de dollars US. 14,5 millions de croisiéristes sont attendus en 2010. En Polynésie française, le tourisme de croisière représente environ 20% de la fréquentation touristique internationale. C'est aussi le secteur qui accuse aujourd'hui la plus forte baisse, en contradiction avec la tendance mondiale. En effet, alors que la fréquentation touristique globale a régressé de 18,3% entre 2008 et 2009, le tourisme de croisière a chuté de 30,5%. 40 000 passagers sont prévus pour 2010 contre 125 000 en 2000. Le nombre de paquebots de croisière transpacifique est passé de 40 en 2007 et 2008 à 33 en 2009 et 21 sont prévus en 2010. De même, si le nombre de passagers de ces paquebots a augmenté ces dernières années, passant de 18 120 en 2007 à 28 608 en 2008 et 30 025 en 2009, les estimations pour 2010 sont revues à la baisse avec seulement 19 237 passagers. Plus dramatique, les paquebots effectuant des croisières interinsulaires désertent la destination aujourd'hui. Seul le Paul Gauguin effectue des croisières interinsulaires régulières, aux côtés de quelques navires assurant un service mixte de croisières, fret et transport de passagers, comme la Ranui, les compagnies locales de navigation de croisières, Bravura Cruise, Haumana, connaissent elles aussi des difficultés. Si les difficultés du tourisme de croisière en Polynésie française sont en partie imputables à la crise que traverse l'économie mondiale
à la faiblesse du dollar US par rapport à l'euro, les compagnies étrangères exploitant les paquebots de croisière ont dénoncé la réglementation trop complexe, trop contraignante, la fiscalité inadaptée et les lourdeurs administratives entravant l'exploitation commerciale. Par ailleurs, les visiteurs regrettent le manque d'aménagement touristique et d'animation à chaque escale. Le tourisme de croisière représente un secteur prometteur en termes de retombées économiques multiples pour la Polynésie française. En outre, il constitue le levier indispensable à l'accueil du plus grand nombre de touristes, sans saturer les îles d'hébergement terrestres. Afin de rendre notre destination plus attractive pour les croisiéristes et les paquebots, les professionnels du secteur et les services concernés, contribution douane, ont mené de concert une réflexion qui a permis d'aboutir à la réforme proposée. Le projet de texte a été soumis pour avis au Haut Conseil et au Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française. Les avis recueillis ont permis de préciser le nouveau cadre réglementaire envisagé tel que décrit ci-après. Article LP1 définit les notions utiles à la compréhension et à l'application de la loi du pays. Les paquebots de croisière sont définis tout d'abord par référence aux textes internationaux et à leur transposition en droit national applicable en Polynésie française relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité, aux conditions de navigabilité et à la prévention de la pollution par les navires. Ils sont en outre définis par référence aux différentes prestations hôtelières qu'ils doivent fournir à bord pour être considérés comme paquebots de croisière, blanchisserie, service en chambre, service de restauration. Enfin, l'exigence d'un nombre minimal de 12 cabines par navire ou pour l'ensemble des navires de la flotte d'un opérateur est maintenue afin de favoriser le développement de projets d'envergure justifiant les exonérations fiscales accordées. À l'inverse, supprimer l'exigence des 12 cabines pourrait entraîner un effet d'aubaine et le passage de petites unités actuellement exploitées sous licence charter professionnelle au régime plus favorable de la croisière, occasionnant alors une perte fiscale. Les opérateurs de croisière sont toutes les entreprises exploitant un paquebot de croisière, qu'elles soient locales ou étrangères. Les croisières touristiques sont les voyages d'agrément effectués par un paquebot de croisière proposant les services à bord décrits plus haut et ayant au moins une escale touristique en Polynésie française. L'escale touristique se distingue des escales exclusivement techniques, sanitaires ou de cas de force majeure. Elle est donc considérée comme escale touristique tout accostage ou mouillage du bateau avec ou sans débarquement de passagers. La notion de passager est également précisée pour éviter toute ambiguïté et notamment exclure du champ d'application de la réglementation les résidents non invités et démunis de titres de transport qui pourraient bénéficier de prestations à bord, par analogie avec le secteur de l'hôtellerie terrestre et pour encourager le tourisme familial. Les enfants de moins de 12 ans sont hors du champ d'application des obligations fiscales. Le projet de loi du pays prévoit que la réglementation s'appliquera indifféremment à l'ensemble des paquebots de croisière ayant au moins une escale touristique en Polynésie française. Actuellement, les paquebots effectuant des croisières internationales ne sont pas soumis à la réglementation locale et ne payent aucune taxe au titre de cette activité, alors que leurs passagers profitent des aménagements et infrastructures touristiques aujourd'hui disponibles. L'application de la réglementation à ces navires et donc de la taxe prélevée sur leurs passagers permettra de développer les services offerts à chaque escale. La réglementation proposée est uniforme et ne distingue plus le régime de droit commun du régime simplifié ou du régime dérogatoire. Peu importe la durée d'exploitation d'un paquebot de croisière en Polynésie française, la compréhension des droits et obligations applicables à une activité de croisière en Polynésie française sera facilitée pour les compagnies étrangères. 2. Une taxe unique. Les articles LP2 à LP6 créent et organisent le régime de la nouvelle taxe dénommée taxe pour le développement de la croisière, remplaçant la taxe sur l'activité de croisière et la redevance de promotion touristique sur les navires de croisière. La taxe pour le développement de la croisière consiste en un forfait par passager dont le générateur est constitué par l'escale touristique du paquebot en Polynésie française. Le montant de la TDC est fixé à 500 francs, montant de la taxe actuelle sur l'activité de croisière malgré une perception à l'escale et non plus à la journée,
Les recettes fiscales profiteront d'environ 19 000 passagers supplémentaires, passagers des 21 paquebots en transit attendus en 2010. Deux tableaux joints en annexe 1 au présent rapport dressent un état des recettes fiscales générées ces dernières années par la redevance de promotion touristique des paquebots et la taxe sur l'activité des croisières. Un troisième tableau joint en annexe 2 estime les recettes fiscales escomptées avec la nouvelle réglementation à l'activité constante. Afin de poursuivre l'incitation engagée par la précédente réglementation, il est également prévu un tarif dégressif en fonction du nombre d'escales et donc de la durée d'exploitation des paquebots effectuant des croisières interinsulaires en Polynésie française. À compter du début de la deuxième année consécutive d'exploitation, le tarif appliqué est réduit à 200 francs pour les navires effectuant plus de 50 escales par an, ce qui correspond à environ 3 mois d'activité, et à 50 francs pour les navires effectuant au moins 250 escales par an, exploitation à l'année. Ce tarif n'inclut pas la taxe de séjour perçue par certaines communes se montant à 150 francs par passager et par jour, ou nuit, selon les cas. La taxe ainsi définie permet à la Polynésie française de s'afficher comme destination similaire aux destinations concurrentes en matière de tourisme de croisière. La Nouvelle-Zélande, Fidji, l'Italie, l'Espagne et les Caraïbes appliquent des taxes aux paquebots de croisière en transit. Les tarifs appliqués varient de 276 francs CT en Espagne à 1196 francs à Saint-Martin et Saint-Lucie. L'Alaska affiche un tarif de 4 416 francs CFP, ce qui lui a fait perdre 17% de paquebots en 2009. Le tarif moyen est approximativement de 667 francs CFP, hors Alaska. Avec un tarif légèrement inférieur, la Polynésie française tient compte de la concurrence d'autres destinations du Pacifique Sud qui n'appliquent aucune taxe, Nouvelle-Calédonie, Samoa, Cook Islands. En outre, le régime de la nouvelle taxe est modifié pour permettre l'accent non plus seulement sur la promotion, mais également sur l'aménagement des sites touristiques, la préservation de l'environnement et plus généralement sur tout ce qui contribue au développement de l'activité de croisière dans le cadre d'un tourisme durable. L'unique future taxe est perçue par le port autonome de Papeete, ce qui permet de supprimer l'obligation pour les opérateurs de croisière étrangers de disposer d'un représentant fiscal à bord local. Obligation très lourde et coûteuse que les professionnels souhaitaient voir disparaître. Cette obligation serait en revanche incontournable avec une perception par le pays. Un arrêté du Conseil des ministres a modifié le code des ports maritimes de la Polynésie française ainsi que l'a préconisé le Haut Conseil, permettant de confier cette mission particulière au port autonome de Papeete. Les opérateurs de croisière sont assujettis à une obligation de déclarer le nombre de passagers et le nombre d'escales au moins 48 heures avant le début de la croisière ou avant la première escale de la croisière en Polynésie française. Le défaut de déclaration dans le délai imparti est sanctionné par une taxation d'office. La perception de la taxe est effectuée par le port autonome à la fin du mois suivant de la croisière ou la dernière escale de la croisière en Polynésie française auprès des paquebots ou de leurs mandataires. Tout retard de paiement entraîne l'application automatique d'une majoration de 10%. Le montant de la taxe et des éventuelles majorations et pénalités est ensuite reversé au pays dans le but d'abonder un compte d'affectation spéciale. La répartition des crédits disponibles sera effectuée chaque année lors du vote du budget, en fonction des projets de développement du tourisme de croisière à mener. 3. Un dispositif avantageux, automatique et non conditionné. L'article LP7 exonère les paquebots de croisière de tout droit, impôts et taxes à l'exception de la taxe pour le développement de la croisière, d'éventuelles taxes à l'exportation et des impôts, droits et taxes votés par d'autres collectivités. Ils ne sont donc pas exonérés de la taxe de séjour communale. L'exonération accordée aux paquebots de croisière existant déjà dans le texte actuel est désormais automatique, valable pendant toute la durée de l'exploitation et ne nécessite plus ni d'arrêté pris en Conseil des ministres, ni de convention, comme l'exige aujourd'hui la délibération numéro 2002-80-APF du 27 juin 2002. Cette disposition permet de renforcer la transparence des relations entre le pays et les exploitants,
et surtout la sécurité juridique des exploitants de paquebots de croisière, dont les avantages ne dépendent plus d'une décision individuelle pouvant être retirée, ni d'une convention particulière pouvant différer d'un exploitant à un autre. En outre, la suppression du conventionnement élimine un carcan jugé trop contraignant par les exploitants. Ceux-ci doivent actuellement s'engager à mener leur activité de croisière en Polynésie, en Polynésie française pour une durée fixée par la Convention, sans pouvoir adapter leur exploitation au contexte économique parfois difficile. À défaut de clause de résiliation pour motif économique, le départ anticipé d'un paquebot devrait aujourd'hui se traduire par le retrait des avantages consentis et un redressement fiscal pour l'ensemble des exonérations appliquées. La réglementation actuelle prévoit également de mettre à la charge des paquebots de croisière certaines obligations, notamment relatives au recrutement local ou à la formation professionnelle, ces mesures ayant pour objectif louable de promouvoir l'emploi local, sont contraignantes pour les paquebots et s'avèrent inutiles au regard de l'emploi indirect généré par l'activité de croisière. L'obligation de recrutement de 3 salariés locaux, même à des conditions avantageuses, ne doit pas être une contrainte risquant d'hypothéquer la création de dizaines d'emplois parmi les prestataires de services ou des fournisseurs locaux dépendant de l'activité des paquebots. Or, ce sont aujourd'hui de nombreux emplois qui ont été supprimés, notamment parmi les prestataires d'excursion, suite au départ des paquebots basés, sans compter la répercussion négative pour l'hôtellerie et les transports aériens internationaux, de la chute de fréquentation des croisiéristes. Enfin, dans l'esprit des conclusions des États généraux de la Polynésie française, le travail de l'administration, allégé de ses formalités et du suivi qu'elle nécessite, peut être concentré sur d'autres tâches plus essentielles, comme l'aménagement des sites touristiques et le soutien au développement des activités touristiques. L'article LP8 permet l'application des exonérations aux concessionnaires et sous-traitants à bord du paquebot de croisière. Cette disposition permet au paquebot de croisière d'externaliser une partie de leurs activités ou de diversifier les services proposés à bord dans les mêmes conditions que s'ils exploitaient eux-mêmes ces activités. Ainsi, les excursions vendues à bord sont exonérées de TVA. L'article LP9 précise que le régime favorable n'est consenti que pour les paquebots de croisière offrant leurs prestations à l'égard des passagers. Le régime fiscal de droit commun s'applique si les activités à bord sont ouvertes à d'autres personnes que les passagers, les membres d'équipage ou les invités. L'objectif de cette disposition est d'éviter la concurrence qui pourrait se créer dans des conditions déloyales vis-à-vis d'activités locales. 4. Des dispositions douanières plus souples. Article LP10 rend la dérogation au monopole de pavillon automatique. L'article LP11 organise un régime douanier favorable pour les paquebots de croisière destinés à être exploités par une entreprise locale et plus généralement pour tous ceux ne bénéficiant pas de l'admission temporaire. Le régime de mise à la consommation s'applique en exonération de tous droits et taxes. Il reprend ensuite les dispositions issue de la Convention internationale d'Istanbul, permettant aux paquebots de croisière immatriculés hors Polynésie française de bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération de tout droit et taxe en dispense de caution. S'agissant du régime applicable aux biens importés par l'exploitant du navire ou un importateur revendeur pour les besoins de la croisière, l'article LP12 les exonère de tous les droits et taxes dont la liquidation incombe au service des douanes. Les articles LP13 à LP16 organisent les modalités de l'application des exonérations et les sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives fixées. 5. Dispositions diverses. L'article LP17 met à la charge des paquebots de croisière une obligation de communiquer au service du tourisme une synthèse des dépenses effectuées localement pour les besoins de la croisière. Ces éléments doivent permettent de réaliser des évaluations plus précises qu'actuellement, des retombées économiques générées par l'activité de croisière. Les articles LP18 et LP19 abrogent les dispositions actuelles, à savoir la délibération numéro 2002-80-APF du 26 juin 2002, modifiée définissant le cadre général des dispositions incitatives applicables aux paquebots effectuant des croisières touristiques interinsulaires en Polynésie française.
et la délibération numéro 86-98 AT du 18 décembre 86 modifiée portant création en Polynésie française d'une redevance de promotion touristique sur les navires de croisière. L'article LP20 précise la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du nouveau régime. Ce dernier s'applique à compter du 1er janvier 2011 aux conventions en cours, encore soumises à la réglementation actuelle. En revanche, un délai d'application est prévu en faveur des paquebots effectuant des croisières transpacifiques afin de leur communiquer tous les détails du nouveau régime, de leur laisser le temps de s'y adapter. Le texte n'entrera donc en vigueur pour ces paquebots que 12 mois après sa promulgation. Ce même article prévoit la prise en compte des années d'exploitation déjà réalisées en Polynésie française. Ainsi, le Paul Gauguin bénéficiera du tarif réduit de 50 francs dès l'entrée en vigueur du texte. Le Star Flyer pourrait bénéficier du même tarif s'il revient en Polynésie française avant la fin de l'année 2012. Enfin, l'article LP21 autorise le Conseil des ministres à prendre en tant que de besoin tout acte d'application nécessaire à la mise en œuvre de la loi du pays. Voilà, Monsieur le Président, le rapport concernant ce projet de loi. Merci, Monsieur le rapporteur. Donc, la discussion générale est ouverte. Pour ce rapport, nous avons convenu de prendre le temps minimal. Et à ce titre, chaque groupe va donc disposer de 10 minutes et les non-inscrits de 3 minutes, chacun. Donc, j'appelle l'intervenant du groupe Totato Aya à prendre la parole. Maruru, Président. Bonjour tout le monde. La croisière devient incontestablement la formule d'avenir du tourisme et ne peut être négligée plus longtemps quand on sait que ce secteur d'activité connaît un taux de croissance annuel de 7% cap de PIB 1990. La crise, la croisière ne connaît pas. Il était bien temps que notre pays trouve sa place au soleil de cette économie florissante. La simplification du régime et la recherche de transparence de ses dispositions semblent être un bon départ pour maintenir le cap sur ce secteur porteur. Cela a d'ailleurs été salué tant par le Haut Conseil que par le CESC. Et cela a été souhaité depuis bien longtemps par les armements des paquebots qui désespéraient de voir enfin la mise en place d'un régime simplifié et identique pour tous. Sur l'ensemble du texte, on ne peut donc être favorable dans un contexte très difficile marqué par la crise financière mondiale et locale. Néanmoins, si le tourisme polynésien peut encore tirer son épingle du jeu dans les années futures sur le marché de la croisière, j'espère que les services et infrastructures encore sous-développés dans les îles les plus éloignées et les plus susceptibles d'être en vogue prochainement se verront bientôt améliorés. Je sais, Monsieur le Ministre, que vous saurez nous rassurer à cet égard. On se souvient ainsi du port de Tourois, réaménagé au début des années 2000, permettant aux paquebots de croisière comme le Tahitian Princess de faire des escales hebdomadaires pendant la saison touristique et développer ainsi les activités nautiques, les boutiques d'art artisanaux, les excursions et bien d'autres encore. Port qui aujourd'hui, faute d'une réglementation efficace, voire incitative, dépérit petit à petit au grand dam des prestataires et de la population. Pourtant, il est bien clair que les pays ensoleillés ont le vent en poupe. Les Caraïbes restent aujourd'hui la destination numéro un des croisiéristes. Nos îles sont autant de cartes postales, de vahinées, de cocotiers et de plages pour ces croisiéristes de passage. Elles sont en mesure de faire largement concurrence à ces destinations, de par nos paysages, notre culture, notre population. Autant de richesses qui font la force de notre Finnois. Alors, saisissons enfin cette opportunité. Cependant, au-delà du seul bénéfice de cette loi que nous espérons rapide, Monsieur le Ministre, il n'en demande pas moins qu'en parallèle, la Polynésie française devra démontrer son attractivité malgré un environnement économique difficile. Et notre destination devra faire la preuve de sa capacité à séduire encore plus de vacanciers. Des vacanciers désireux de découvrir des destinations et particulièrement des îles perdues dans le Pacifique dont le billet d'avion n'est pas toujours à la portée de toutes les bourses. Ces paquebots viennent agrémenter, voire compléter et varier les offres d'une destination mythique. Permettre ainsi la découverte de nos îles diverses, d'où le mot de Polynésie, autre que par les airs et de manière certainement moins coûteuse pour le touriste. Enfin,
Je souhaiterais terminer mon intervention sur un aspect technique de cette loi du pays. Quel est l'intérêt véritable de la création d'un compte d'affectation spécial? Comme vous le savez, cette méthode relève d'une exception au principe du droit budgétaire. La multiplication des exceptions au budget ne me paraît pas nécessairement aller dans le sens d'une plus grande transparence. S'il est vrai que cela permettra de garantir une enveloppe d'investissement relativement préservée, à l'inverse, une chute des recettes engendrera une limitation des investissements. On peut craindre alors que les compagnies soient dans un premier temps quelque peu réticentes à payer une taxe dont les retombées ne seront peut-être pas palpables. Il serait donc intéressant d'avoir une meilleure visibilité sur les projets du ministère en la matière. Il n'en demeure pas moins, Fatih Rehaou, que nous soutiendrons fermement l'adoption de ce texte. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc nous poursuivons avec l'intervenant du groupe Tahouer Ahouir Attila. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, Yorana. Le projet de loi du pays portant réglementation applicable aux paquebots effectuant des croisières touristiques en Polynésie française semble emporter l'adhésion générale. Le Haut Conseil de la Polynésie française trouve que dans la forme, on ne peut qu'approuver à regrouper en un texte unique l'ensemble des dispositions actuellement dispersées. Bien sûr, le Haut Conseil fait remarquer que quelques dispositions nécessitent des précisions pour une bonne compréhension et fait aussi quelques remarques quant aux modalités d'application de la future loi, à l'abrogation des dispositions antérieures et à l'entrée en vigueur de nouveaux textes. Rien de rédhibitoire en tout cas. Même avis du CESC, qui se dit favorable au développement de la croisière en Polynésie française dans une perspective de développement durable. Mais je ne vous apprendrai pas grand-chose si je vous disais que tout n'est pas absolument si rose au pays du tourisme international, première ressource propre de la Polynésie française. Tout le monde sait que cette industrie du loisir ne se porte plus très bien depuis 2007, année qui a rapporté néanmoins quelque 46 milliards 800 millions au pays. Chez nous, la chute de la fréquentation touristique n'est toujours pas jugulée après moins 18,3% de fréquentation en 2009 par rapport à 2008. Bref, tous ces chiffres défaitistes ont fait la une des journaux ces cinq dernières années. Une première réaction à cette dégringolade semble être contenue dans ce projet de loi de pays en faveur du tourisme de croisière, qui est un secteur porteur partout dans le monde, mais curieusement délaissé en Polynésie française. Le tourisme de croisière, c'est seulement 20% du tourisme international, ce qui n'est pas si mal, malgré une chute de 30,5% de croisiéristes entre 2008 et 2009. Le potentiel est là, et il semble que, pour la première fois, crise oblige, on se soit posé la question des raisons qui sont à l'origine d'une telle situation. Après analyse, une évidence a fait jour. Il fallait simplifier la réglementation concernant les paquebots de croisière. Sans pouvoir nous dire ce que la croisière apporte à la Polynésie française en termes de devises et d'emplois, c'est vrai, et le CESC l'a également fait remarquer, il n'existe aucun bilan chiffré de la croisière sur 10 ou 15 ans. Dire que ce secteur offre un réel potentiel n'est donc qu'une hypothèse d'école. Tout le monde sait que le tourisme de croisière a des retombées économiques importantes avec les excursions, les loisirs, les restaurants, les transports, etc. Mais personne ne peut donner de chiffres. Tout le monde sait aussi que les compagnies de croisière n'ont jamais privilégié la Polynésie française, dénonçant pêle-mêle la réglementation, le manque d'infrastructures d'accueil, une fiscalité exorbitante et complexe. Il faut espérer que la simplification prévue avec un régime uniformisé pour tous les paquebots de croisière va faire tomber les réticences des compagnies de croisière. Mais là aussi,
personne ne peut nous dire ce que va ramener cette taxe unique. Et puis, on peut s'interroger sur les motivations qui ont conduit à créer un compte spécial pour accueillir les fruits de la taxe. Qu'est-ce que cela va changer par rapport à l'ancien système qui affectait les taxes perçues au GIE Crédit Tourisme pour financer uniquement la promotion touristique de la Polynésie française? Les fonds récoltés pourront-ils servir à financer les aménagements portuaires qui s'imposent dans la perspective de développement durable de la croisière? Ces fonds pourront-ils servir aussi à créer des animations, à mettre en valeur, plus qu'ils ne sont aujourd'hui, les sites historiques et culturels polynésiens? Il faut l'espérer, car sans ces objectifs à atteindre, la création d'un compte d'affectation spéciale ne se justifie pas. Il y a déjà tellement de SEM, de GIE, que la création d'une nouvelle entité pose plus de questions qu'elle n'en résout. Il reste qu'a priori nous ayons pour une fois, concernant le tourisme de croisière, pris le bon chemin, celui d'une simplification de la réglementation et d'un abaissement des taxes susceptibles d'influer sur la décision des grands de la croisière de voguer vers la Polynésie française en plus grand nombre qu'aujourd'hui. Il convient d'encourager cette démarche. Alors, nous voterons donc le projet de loi de pays qui nous est proposé. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, j'appelle l'intervenant du groupe Yorat Fenouan. Merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, leurs collaborateurs, bonjour, chers collègues. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour étudier un texte qui est très attendu par le secteur de la croisière et qui vise donc à assouplir la réglementation de cette activité en Polynésie française. Alors, comme le soulignait le rapport, c'est vrai que ce secteur représente aujourd'hui dans le monde 14 millions de voyageurs pour un chiffre d'affaires mondial en francs CP de 10 000 milliards de francs CP. Pour autant, lorsqu'on sait qu'il y a près de 900 millions de voyageurs dans le monde, on comprend bien que nous ne sommes qu'au début d'une activité en pleine croissance et qui revêt encore un potentiel de développement sans commune mesure. D'ailleurs, comme l'a fait remarquer notre collègue Robert Anceau, c'est le seul secteur touristique qui n'a pas subi la crise mondiale qui sévit depuis 2008. En effet, bien au contraire, la croisière n'a cessé de progresser tout au long de ces 30 dernières années et vit même aujourd'hui des taux de croissance inédits. Pour ne citer que quelques chiffres de destinations qui sont proches de nous, j'ai repris les chiffres de l'Australie, par exemple. Sachez, chers collègues, qu'en Australie, le nombre d'escales entre 2004 et 2010 a doublé, passant de 300 000 à 850 000 visiteurs. Encore plus proche de nous, et nous avions eu la chance d'avoir des résultats édités par le centre Cruise New Zealand, qui est sorti cette semaine, la Nouvelle-Zélande connaît, elle aussi, un véritable boom économique de la croisière, avec un accroissement prévu pour 2011, la saison 2011-2012, qui avoisinera les 82% de croissance pour la prochaine saison, soit près de 200 000 touristes. Ils sont aujourd'hui à 110 000 voyageurs. Ils estiment pour la prochaine saison, l'accueil de 200 000 touristes, 200 000 croisiéristes en Nouvelle-Zélande, pour une dépense moyenne individuelle qui a été chiffrée de l'ordre de 110 000 francs CP par personne qui sera injectée dans l'économie néo-zélandaise. Des chiffres qui peuvent nous servir demain à mieux évaluer notamment les retombées touristiques dans l'économie polynésienne. Il faut savoir que ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais sont bien le fruit d'efforts conséquents de ces pays pour rendre leur destination attractive. Au regard des performances de croissance de ce secteur, à vrai dire, la croisière est devenue un secteur extrêmement concurrentiel qui nécessite pour les pays, pour les destinations, d'offrir aux armateurs les meilleures conditions d'accueil, les meilleures conditions
réellement d'accueil d'infrastructures, d'organisation de la destination, d'organisation de ces infrastructures et de leurs animations. C'est dans ce cadre-là, qui est particulièrement favorable, qu'arrive enfin ce projet de réglementation, tant attendu, qui a fait l'objet de nombreuses réunions de travail, qui à un moment donné a été abandonné, repris. Bref, l'important c'est qu'aujourd'hui ce soit fait et je profite ici de vous féliciter, de vous remercier, Monsieur le ministre, d'avoir poussé ce texte, d'être allé jusqu'au bout de cette démarche et surtout pour un résultat particulièrement satisfaisant, à mon sens, puisque le texte est extrêmement complet. On peut estimer vraiment que cette nouvelle réglementation permettra demain d'offrir à la Polynésie un texte qui répond aux attentes des armateurs. Il faut savoir que ces armateurs sont convaincus par les atouts de notre destination. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ont été particulièrement découragés par une réglementation extrêmement contraignante, une réglementation obsolète, inadaptée, voire même inéquitable. En effet, sachez, pour faire simple, que avant ce texte, la croisière était régie par plus de 80 textes différents. Nous n'avions pas libéré l'économie de la croisière en Polynésie. Les textes organisaient des systèmes dérogatoires pour forcer un petit peu la main aux armateurs afin qu'ils puissent rester en Polynésie le plus longtemps possible. Même si l'on peut comprendre la démarche qui avait été entreprise à l'époque, il faut savoir que ces conventions de gré à gré avec les armateurs, finalement, ont été plus défavorables, ont été plus dissuasives qu'autre chose, si bien que par rapport à d'autres destinations beaucoup plus concurrentielles, beaucoup plus accueillantes, eh bien, il est tout naturel que ces armateurs ont déplacé leurs bateaux naturellement dans des destinations plus favorables économiquement. Donc, bien évidemment, il n'est pas étonnant de voir que lorsque, dans le monde entier, la croisière progresse en Polynésie, elle a chuté, véritablement par découragement et par, je dirais, lassitude de ces armateurs face à la complexité de notre réglementation, à la difficulté de la mise en œuvre, des mises en œuvre administratives, à la complexité aussi de notre fiscalité. Voilà, ce texte, demain, quelles sont les grandes lignes? Qu'est-ce que ça va changer? En fait, demain, ce texte nous offre un régime uniformisé qui va être de droit commun. On va libérer le secteur de la croisière, qui va permettre aux exploitants de n'avoir qu'une seule taxe de 500 francs par escale et par passager, à la place des deux taxes, la RPT et la TAC. Cette nouvelle taxe, donc, qui est appelée redevance pour le développement de la croisière, RDC, restera malgré tout incitative. C'est important de le rappeler, puisque cette taxe sera dégressive en fonction du nombre d'escales réalisées dans l'année. Je rappelle aussi que le projet prévoit que cette taxe soit collectée par le port autonome, ce qui est aussi un avantage, puisque demain, les exploitants n'auront plus l'obligation d'avoir un représentant fiscal en Polynésie, ce qui compliquait beaucoup leurs affaires. Enfin, celle-ci devrait être versée sur un compte d'affectation spéciale, ce qui permettra donc de cibler les dépenses et essentiellement d'ailleurs en faveur d'investissements pour l'aménagement de nos infrastructures. Voilà les grandes lignes que le groupe Yorat Fénois a retenues de ce texte et bien entendu nous voterons favorablement. Pour autant, nous profitons quand même de cette étude de texte pour soulever quelques interrogations que nous avons. Certains ont parlé d'ores et déjà du compte d'affectation spéciale. C'est vrai que le texte l'inclut déjà. Donc notre souci, c'est de savoir si effectivement, au-delà du giron du tourisme, et je l'avais déjà demandé en commission, j'espère que nous pourrons avoir des éléments aujourd'hui, Monsieur le ministre, au-delà du secteur qui semble totalement en phase avec le gouvernement sur ce sujet, en tout cas avec le ministère du Tourisme, au-delà du giron du tourisme, est-ce qu'il y a réellement une cohérence gouvernementale, un soutien du gouvernement pour mettre en œuvre ce compte d'affectation spéciale?
Vu qu'aujourd'hui, nous allons l'étudier, nous allons le valider dans la délibération, il est important que vous nous apportiez des garanties que le gouvernement est bien également dans la même pensée que vous par la création de ce compte d'affectation spécial, d'autant que, monsieur le ministre, j'étais un petit peu choquée d'avoir eu écho que le président lui-même n'était pas favorable à ce présent texte. Je le dis. J'espère que ce n'est plus le cas. J'espère que depuis, vous l'avez convaincu. Je ne sais pas s'il a encore peur d'avoir sa vue gâchée sur l'océan à Bora Bora, ou sous prétexte peut-être encore de croire que le croisiériste est un sous-touriste, parce que malheureusement, beaucoup pensent que le touriste croisiériste ne dépense pas. Pouvez-vous nous rassurer à ce sujet? Et s'il s'avère que ce compte d'affectation spéciale ne retient pas l'avis, l'accord majoritaire de votre gouvernement, comment ça se passerait demain? Est-ce qu'effectivement, vous prévoyez un plan B? Voilà, pour cette question, pour ces questions sur le compte d'affectation spéciale. Ma deuxième question est relative plus là au champ d'éligibilité, c'est-à-dire que ce texte aujourd'hui n'inclut que, je dirais, les paquebots type croisière. Qu'en est-il des paquebots mixtes, comme la Ranui, qui fait du fret, qui fait de la croisière, qui est un bateau local? Ça me semble être une priorité de pouvoir rapidement lui offrir ces mêmes avantages, d'autant qu'il y a d'autres projets de cargo mixte en Polynésie, notamment pour les Australes. Apparemment, la Commission nous disait qu'il y avait un projet en cours. Est-ce que vous pouvez nous apporter plus de précisions sur ce prochain texte? Enfin, une dernière remarque qui se porte plus sur la communication que vous ferez de cette nouvelle réglementation. Parce qu'il serait bien d'éviter la mauvaise surprise que les armateurs ont eue en 2007 avec l'arrivée d'un texte qui avait été voté en 2006 d'une taxe forfaitaire qu'ils ont découvert au 1er janvier 2007 et qui avait été extrêmement difficile à vivre pour ces armateurs. Parce que bien que pour les paquebots qui sont basés en Polynésie et qui effectivement vont bénéficier d'avantages supplémentaires par rapport à ce texte, il faut penser à tous les paquebots de croisière internationale qui ne sont que de passage et qui jusque-là ne payaient rien et qui vont demain être soumis à cette taxe. Donc je suppose que vous avez prévu de communiquer. Est-ce que vous pouvez nous garantir, nous rassurer pour que vraiment le monde de la croisière soit bien informé avant la mise en application de ce texte qui est quand même prévu, dont la date est prévue pour bientôt. Voilà, pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, réellement, nous avons le sentiment qu'on fait un grand pas aujourd'hui et je vous remercie encore d'avoir poussé à la réalisation de ce projet. Mais il reste encore beaucoup à faire pour le développement de la croisière. Parce que, effectivement, au-delà du contexte d'accueil favorable, au-delà d'une réglementation simplifiée, d'une fiscalité incitative, il y a un autre pan très important, c'est celui des infrastructures. Et je terminerai sur ça, puisque nous sommes à un mois et demi du débat budgétaire. Pouvez-vous d'ores et déjà nous annoncer vos priorités pour l'année 2011 en matière d'investissement, et notamment sur l'utilisation de ces crédits, puisque vous prévoyez demain, grâce à la RDC, de toucher environ 110 millions, 112 millions pour 2011. Comment comptez-vous répartir cette somme en 2011, en sachant qu'en plus, à la lecture du projet que vous nous avez fourni en annexe, vous nous avez spécifié que ce fonds sera éligible non seulement à de l'investissement, mais aussi au fonctionnement, avec des actions de promotion, certes, mais aussi des actions d'animation. Nous avons un peu peur de ce saupoudrage et que finalement ce fonds ne retienne pas assez de crédits pour permettre des vrais projets d'amélioration de nos infrastructures dans les îles. En tant que premier espace maritime français, je le rappelle, la Polynésie française s'étale quand même sur une surface grande comme l'Europe. Nous avons tout à gagner aujourd'hui à développer le tourisme que l'on peut appeler le tourisme bleu,
le tourisme de la croisière, le tourisme du charter, le tourisme de la voile, mais aussi le tourisme lié à tous les sports nautiques, les sports de glisse, etc. Donc, forcément, nous ne pouvons que soutenir cette démarche qui, je l'espère, s'inscrira aussi dans une vision beaucoup plus globale du développement du tourisme bleu en Polynésie. Nous aurons l'occasion, à travers l'étude du texte, de revenir ensuite en détail sur les aspects, je dirais, détaillés de ce projet. Mais sachez que pour nous, pour Yaorate Fenoa, nous voterons favorablement. Je vous remercie de votre attention. Merci, oui, touriste bleu. Donc, on va passer la parole à la représentante des non-inscrits. À moins que vous interveniez tous les deux, donc on commence par qui ? Par vous. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, bonjour. Monsieur le Ministre aussi, chers collègues, les internautes et les journalistes qui nous écoutent et nous regardent. Yorana à vous tous. Donc aujourd'hui, nous est proposé donc ce projet de loi portant réglementation applicable aux paquebots de croisière effectuant des croisières touristiques en Polynésie française. Tout d'abord, je souhaite remercier notre rapporteur pour sa lecture. Donc, Monsieur le Président, si ce nouveau projet de loi nous est proposé, c'est qu'il va forcément apporter des améliorations dans le secteur touristique. Donc, je souhaite poser des questions à Monsieur le Ministre pour éclaircir quelques points du texte. La première question est, quelles seront réellement les améliorations pour nos paquebots, c'est-à-dire qu'allons-nous perdre ou gagner après le vote de cette loi? La deuxième question, c'est quel est l'impact économique de cette loi sur le court terme? En trois, est-ce que le fait de taxer par passager et par escale ne va pas être un frein pour les opérateurs de croisière au choix de plusieurs escales? Mon impression, c'est qu'il y aura peut-être un frein au développement du tourisme. En quatrième question, à quoi servira la création de ce compte spécial Fonds de développement du tourisme de croisière? N'est-il pas plus pertinent ou judicieux de créer un fonds de développement pour le tourisme en général? Et en dernière question, pour notre population qui attend beaucoup de nos décisions, Monsieur le Ministre, quelles en seront les conséquences positives pour elle? Voilà, Monsieur le Ministre, merci pour vos réponses et merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé un temps de parole. Merci. On va poursuivre avec la deuxième intervenante des non-inscrits. Merci, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les journalistes, cher public Yorana, voilà un texte qu'il était temps que la Polynésie mette en place. Au regard des différents articles que nous pouvons lire sur le sujet, le secteur des croisiéristes ne connaît pas la crise. Bien au contraire, puisqu'on lui enregistre une croissance mondiale de 7%. Exception faite de la Polynésie française qui, quant à elle, enregistre une baisse de 30% sur ce type précis de tourisme. La plus forte baisse de fréquentation touristique. Notre tourisme de croisière souffre, certes, de la crise économique mondiale, mais souffre surtout de la crise structurelle dans laquelle nous nous trouvons. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2005, les touristes de croisière représentaient 25% de nos touristes, alors qu'en 2009, ils ne représentaient plus que 18,85%. C'est une déflation énorme. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement, à cause de l'ampleur des contraintes administratives, ma collègue Maïna en a parlé, qui sont imposées aux croisiéristes et qui restent trop lourdes au regard de ce que l'on leur propose ailleurs. Mais aussi, et il faut bien l'avouer, des infrastructures et services nécessaires à l'accueil de ces touristes qui font largement défaut. Pour ne citer que l'exemple de Papeete, les débarquements en escale du samedi après-midi ou du dimanche offrent un spectacle à nos touristes de croisière bien loin de l'idée de la carte postale que nous leur vendons. Un spectacle où rideaux de fer et villes désertes
sont à peu près tout ce qui s'offre à eux. Il est donc primordial que nous nous penchions davantage sur ce problème. Si les taxes de 500 francs par passager prévues par ce texte ont pour but de permettre aux communes d'investir pour proposer des meilleures infrastructures à nos touristes, elles ne seront pas palpables de suite. Et avant même de parler d'investissement et de réalisation, nous devrions mettre en place une étude qui permette de proposer une offre des plus ciblées et plus adaptées à nos touristes. Il me semble important de pointer du doigt ce sujet, car, comme à notre bonne habitude, nous créons, pour nous rendre compte par la suite, que ce que nous avons fait n'est pas adapté. Nous devons alors engager des dépenses supplémentaires pour réparer nos erreurs. Aussi, j'aimerais savoir, Monsieur le ministre, si vous avez prévu une étude sur les installations touristiques dans nos ports afin d'analyser au mieux les avantages que ces derniers pourraient tirer des investissements dans les infrastructures et les installations, surtout du point de vue de la réception des touristes et notamment des touristes de croisière. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre, le Royal Princess revient dans notre Fénois très bientôt. Une étude nécessaire qui nous permettrait de comprendre exactement comment le tourisme de croisière pourrait améliorer les avantages économiques et la création d'emplois dans nos îles, tout en réduisant ses effets négatifs sur l'environnement. Cette observation faite, je tiens tout de même à saluer l'initiative de notre ministre du Tourisme, car ce texte incarne le premier pas vers le développement de notre tourisme de croisière. Notre vote ira donc en ce sens. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, on poursuit avec et on termine avec l'intervenant de l'UPLD. Maruru et Pretiteni, Monsieur le ministre, avant de donner la position du groupe UPLD, je voudrais vous saluer, ainsi que votre collègue qui me semble être présent également, ainsi que les collaborateurs qui vous accompagnent, autant ceux de votre cabinet que ceux du service du tourisme ou du GIE Tahiti Tourisme, car souvent, ils sont critiqués, ils sont dans l'ombre, mais ils portent la plupart de la charge la plupart du temps. Et je voudrais particulièrement, Monsieur le ministre, remercier également les membres de l'association du Tahiti Cruise Club, cette association qui n'a cessé de véritablement pousser pour qu'on en arrive aujourd'hui à la loi de pays, au projet de loi de pays que vous nous proposez. Je souhaiterais donc, au nom de l'UPLD, remercier toutes ces petites mains qui ont contribué à ce projet de loi de pays. Pour en venir à notre texte, Monsieur le ministre, si l'on s'en tient à la définition communément admise d'une croisière, cette dernière correspond à un circuit maritime bouclé ou ouvert. Bouclé pour ceux qui font le tour de nos îles et ouvert pour ceux qui ne font que traverser notre pays. Donc ce circuit maritime est réalisé à des fins de détente ou d'agrément à bord d'un paquebot ou d'un bateau de plaisance, et compte tenu des 5,5 millions de kilomètres carrés de surface maritime et des quelques 120 îles composant notre pays, le Fénois Mahoué, nous devrions donc naturellement être une destination privilégiée des armateurs de la planète. En l'occurrence, en termes d'armateurs, ils sont deux. De surcroît, ils sont américains du Nord, puisque deux compagnies, la Carnival et la Royal Caribbean, se partagent 90% du marché avec plus de 100 navires à eux deux. De plus, la croisière touristique est une activité touristique en pleine expansion, comme vous l'avez souligné, Monsieur le rapporteur,
et qui devrait, si l'on y met chacun du nôtre, être synonyme de promotion pour notre destination, donc la Polynésie, être synonyme de retombées économiques non négligeables pour le pays, et être synonyme pour les îles escales touristiques et bien sûr pour Papeete et son port. Et pour toutes ces raisons, Monsieur le Ministre, le groupe UPLD votera pour ce projet de loi de pays. Il serait cependant illusoire de croire, Monsieur le Ministre, qu'une seule loi pourrait à elle seule apporter les réponses aux questions que tout responsable se pose. Simplifier les procédures et ne conserver qu'une seule taxe du pays, c'est bien. Mais doit-on laisser, Monsieur le Ministre, les communes fixer leurs taxes municipales à leur guise, sans concertation ni harmonisation avec le pays? Les aménagements des sites touristiques ne doivent-ils être supportés que par le pays, alors que ces sites sont sur des territoires municipaux et constituent des enjeux économiques pour les communes concernées? Le produit des taxes municipales ne devrait-il pas aussi servir aux aménagements des sites touristiques? Là, j'ouvre un chantier qui n'est pas simple, parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas toucher à cette institution qui relève de l'État. L'exonération de la TVA pour les excursions achetées à bord à des prestataires conventionnés par l'armateur ne constitue-t-elle pas une concurrence déloyale et une source de conflits futurs avec les prestataires qui vendent à terre et qui, eux, ne seront pas exonérés de TVA? Ceux qui auront eu la chance de passer une convention avec l'armateur et qui vendent sur le bateau seront exonérés de TVA, alors que ceux qui attendent à terre, eux, ne seront pas exonérés de TVA. La convention, donc, entre l'armateur et le prestataire ne risque-t-elle pas d'être un moyen de pression et de chantage de l'armateur sur le prestataire, car l'armateur aura naturellement tendance à tirer les prix du prestataire vers le bas afin d'augmenter sa propre marge? Ne risque-t-on pas à terme de voir tout simplement des escales supprimées du fait de la mésentente entre l'armateur et les prestataires ou les élus municipaux? Et je parle sous le contrôle de la mairesse d'Outouroy qui est concernée par cette activité. Les élus municipaux qui se sentiraient frustrés de ne rien retirer de cette manne annoncée. Ce ne sont que des questions, Monsieur le Ministre. Méfions-nous et souvenons-nous de l'épisode des deux renaissances dans les années 2000 qui était assujetti aux règles que nous allons aujourd'hui remplacer. Cet épisode, Monsieur le Ministre, est là pour nous rappeler que c'est plus qu'une loi qu'il faut changer. C'est une synergie qu'il faut trouver entre un port, une ville, une escale touristique et un pays. Une synergie entre un port, une ville, une escale touristique et un pays. La promotion de la destination et l'accueil des touristes doivent être le rôle des professionnels du tourisme réunis dans le GIE Tahiti Tourisme. Et les crédits affectés à ces actions doivent être maintenus avec bien évidemment une procédure d'évaluation des résultats à mettre en place concomitamment. La participation à des salons internationaux comme le Sea Trade de Miami doit être encouragée et nous devons continuer à aider les membres du Tahiti Cruise Club qui s'y rendent tous les ans. La renommée de la destination Tahiti n'est plus à démontrer, mais attention, Monsieur le Ministre, à ne pas se laisser endormir sur nos lauriers et dépasser par d'autres.
Notre destination doit se conjuguer avec des offres variées et attractives, car l'image d'une destination et la perception de l'environnement sont d'une importance capitale. Le port de Papeete est le premier acteur concerné par la croisière. Il doit donc être esthétiquement agréable et l'assistance technique qu'il fournit, notamment le pilotage, le remorquage, le lamanage, l'avitaillement et les services divers, donc cette assistance technique doit être irréprochable. La ville de Papeete, comme les autres escales touristiques, doivent assurer en concertation avec le pays la logistique terrestre et rester attirante et dynamique. Leur rôle est primordial à plusieurs titres, et plusieurs d'entre nous en avons parlé cet après-midi. Elles doivent encourager l'activité, informer la population, prévoir l'ouverture des commerces les jours d'escale et accueillir officiellement certains navires qui participent à l'image à la fois de Papeete et des escales touristiques concernées. Ça n'a l'air de rien, mais ça apporte un plus dans les relations. Ainsi, des projets d'aménagement doivent être entrepris sans tarder, par exemple, à Papeete. De la Tiperu jusqu'à Mutuuta en passant par Fareute. Et quand je dis en passant par Fareute, en passant par la zone militaire qui devra à terme disparaître du paysage urbain. Nous devons penser à requalifier, Monsieur le Ministre, l'ensemble du front urbain maritime de Papeete. À l'occasion d'une discussion que nous avons tenue au GIE, vous avez émis votre souhait de réorganiser la zone du Fare Manihini. Je vous proposerai de réfléchir à la totalité du front urbain, jusque y compris cette verrue dont Papeete que constitue la zone militaire. Cette zone doit disparaître du paysage urbain si l'on veut l'accueillir avec chaleur des croisiéristes. En conclusion, je vous dirai, Monsieur le Ministre, que votre loi, si elle est sans conteste nécessaire, n'est malheureusement pas suffisante, car l'engagement qui est requis de tous ne s'obtient pas seulement par une loi, mais résulte bien d'une adhésion volontaire de chacun fondée sur la certitude d'en tirer bénéfice et d'apporter sa pierre à la construction de notre pays. Ne te demande pas ce que le pays peut faire pour toi. Pose-toi la question de savoir ce que toi tu peux faire pour ton pays. Maruru. Voilà, merci. Donc je demande au gouvernement de répondre aux interventions qui ont eu cours lors de la discussion générale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, merci pour vos interventions. Donc pour reprendre dans l'ordre tout ce qui a été dit, je tenais d'abord à remercier, comme vous le faisiez tantôt, Monsieur Drollet, tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette loi de pays. Donc, bien entendu, Emmanuel Gindre, qui se trouve juste derrière moi, donc juriste au ministère du Tourisme il n'y a encore pas longtemps. Également le Tahiti Cruise Club, donc, qui a été réellement, comme vous le disiez, l'élément à l'origine de l'implication du ministère dans ce projet dès que nous avons été installés en mois de décembre, au mois de janvier. Également, remercier les armateurs, notamment Dick Bellé, avec le Paul Gauguin, les propriétaires et gérants du Pacific Princess. Et également, pour avoir été consulté, Monsieur Eric Kraft du Starflyer. Et puis pour finir sur les remerciements,
Aussi, une petite pensée à Jean-Claude Boutier, qui a été celui qui a franchi le seuil de la porte du ministère en premier pour réellement demander à ce que cette loi soit améliorée et simplifiée. Voilà, donc à tous, Maruru. Donc ce n'est pas uniquement le travail d'un ministre ni d'un ministère, c'est un travail de concertation, un travail d'équipe. Et puis je souhaitais aussi remercier les agents du service public qui ont participé également, les douanes, les services de contribution, du budget, de la finance. Donc tous ont réellement, du corps autonome également, beaucoup de gens ont participé à l'élaboration de cette loi de pays. Donc c'est la raison pour laquelle, et je tenais aussi à remercier le CESC d'avoir voté de manière presque unanime, mais également la Commission des affaires économiques et du tourisme de l'Assemblée, qui a voté unanimement il y a quelques semaines en faveur de ce projet. Voilà. Alors qu'est-ce que ce projet va apporter à la Polynésie française, comme le disait Mademoiselle Sage, donc c'est tout simplement profiter de l'essor d'un secteur à l'international. Et lorsqu'on constate que la Polynésie française n'a pas suivi ce développement, donc il était important de pouvoir rattraper le coche. Mais pour ce qui concerne, d'une manière générale, le produit touristique en Polynésie française, ce qui me paraissait important, au vu du coût de la destination, qu'il nous faut absolument mettre à niveau, surélever la qualité de nos prestations, de nos produits touristiques, de nos services, mais également de nos textes. Donc c'est dans ce cadre que nous avons lancé ce projet. Au niveau de la taxation, qu'est-ce que le pays touchera en plus grâce à ce nouveau texte? Mais tout simplement, lorsqu'on a utilisé les chiffres que nous avons tant bien que mal pu récupérer en termes de fréquentation des années passées. Pour 2008, la fréquentation, l'activité croisière aura permis au pays de récupérer en net pas loin de 75 millions de taxes, donc RPT plus taxe croisière, et une fois remboursé au GIE la part qui est réattribuée aux croisiéristes. Et si nous avions en 2008 appliqué ce texte dès le 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette même année, nous aurions récolté 120 millions net, donc plus 50% en termes de rentrée fiscale pour le pays. Nous avons fait le même exercice en 2009, bien que l'activité avait légèrement baissé. Le pays a enregistré une rentrée fiscale de 84 millions en net approximatif. Et si ce texte était passé au 1er janvier 2009, le pays aurait gagné 102 millions plus exactement. Donc une fois de plus 50% de rentrée fiscale pour notre pays. Donc voilà. Alors comment ? Très simplement, nous souhaitons féliciter par le biais de cette nouvelle taxe pour la redevance, taxe pour le développement croisière et non pas redevance. Les bateaux qui sont actuellement en Polynésie française, notamment le Paul Gauguin, qui a fait l'effort de rester en Polynésie avec l'implication de M. Dick Bellé, et bien entendu de pouvoir motiver ces bateaux à rester plus longtemps en Polynésie. Donc c'est la raison pour laquelle la taxe est dégressive, puisque nous, comme vous avez pu le lire, nous passons de 500 à 200 puis 50 francs en fonction du nombre d'escales réalisées. Pour ce qui concerne toujours cette taxe, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, tout simplement, on vient taxer les bateaux qui sont de passage. C'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui fait. Nous considérons, dans l'esprit de cette loi, que les bateaux qui passent en Polynésie profitent de nos infrastructures, profitent de nos lagons, profitent de nos océans, sont également source de pollution. On ne le dit pas souvent, mais c'est important quand même de le soulever. Donc au même titre que les autres bateaux qui restent en Polynésie, qui font l'effort de rester en Polynésie, il nous paraissait important de taxer ces bateaux qui sont de passage. Donc cette nouvelle manne financière vient augmenter de 50% les rentrées fiscales du pays. En 2011, la situation sera transitoire, puisque nous permettons aux bateaux basés en Polynésie française de pouvoir, à partir du 1er janvier, bénéficier d'un avantage de réduction de la taxe appliquée. Par contre, il nous faut laisser du temps
aux navires qui sont de passage de considérer, comme vous le disiez, mademoiselle Sage, de considérer la nouvelle taxation. Donc nous prévoyons dans ce texte qu'à partir du moment où ce texte sera applicable, les bateaux de passage commenceront à payer seulement 12 mois après. Donc entre le 1er janvier, date à laquelle le Paul Gauguin verra sa taxe considérablement réduite, et les 12 mois nécessaires aux bateaux de passage de pouvoir être taxés, bien entendu, vous pouvez considérer que 2011 sera celle où nous allons enregistrer le moins de rentrées fiscales. Donc nous avons considéré que le pays enregistrera beaucoup moins de taxes cette année-là, mais c'était quelque part le sacrifice qu'il nous fallait faire pour pouvoir engranger cette nouvelle réglementation. Donc pour résumer ce que je viens de dire, au 1er janvier, le Paul Gauguin paiera moins de taxes, et ce n'est que 12 mois après la promulgation de cette loi, donc imaginons que ce soit en octobre 2011, que les nouveaux bateaux viendront compenser la réduction des taxes perçues par le Paul Gauguin. Donc nous allons avoir 6 mois, voire un peu plus de 6 mois de période durant laquelle le pays percevra moins de taxes. Mais il était indispensable de d'orchestrer ça de cette façon. En termes de recettes touristiques, parce que ce qui importe effectivement, c'est de savoir combien ces bateaux rapportent, l'ISPF déclare en 2009 des recettes touristiques liées à l'activité croisière d'un montant de 8,1 milliards de francs pacifiques. Il y a quelques années encore, le pays accueillait deux fois plus de croisiéristes. Donc nous pouvons considérer l'objectif qu'on pourrait se fixer sur les deux, trois prochaines années, c'est réellement de pouvoir en termes de recettes touristiques, doubler ces recettes, donc de passer de 8 milliards à 16 milliards. De quelle manière le pays tirera finalement également son épingle du jeu suite à la promulgation de cette loi ? Mais tout simplement par le fait que, en simplifiant nos textes, nous venons attirer de nouveaux navires, mais surtout profiter de la promotion que ces navires vont faire à l'international de la Polynésie française. Imaginez qu'un opérateur vient de s'installer en Polynésie française, bien entendu, il espérera que le fonds en place permettra la promotion de la Polynésie française dans le secteur de la croisière, mais lui-même, en tant qu'opérateur, et comme le font actuellement les hôtels, chaque bateau, en fait, est amené à, de toute façon, faire la promotion de la Polynésie. En clair, plus il y a d'hôtels en Polynésie française, plus il y a d'opérateurs de croisière, et plus il y a de promotion et de budget investi à la promotion de la Polynésie à l'international. Donc là encore, le pays s'en sort gagnant. Et pourquoi, une fois de plus, pour terminer, pourquoi avoir privilégié ces travaux ? Et tout simplement aussi parce que la Polynésie a des gros soucis de foncier, comme vous le savez. L'activité de croisière nous permet de nous développer au niveau de l'industrie touristique sur l'eau. Et la Polynésie, pour avoir multiplié les rencontres avec les professionnels de la plongée et de l'activité croisière, la Polynésie a réellement un désavantage nettement supérieur, beaucoup plus avantageux que d'autres destinations comme les Maldives ou les Seychelles. Voilà. Donc il nous fallait en profiter. Pour répondre maintenant à l'ensemble des questions, Monsieur Tonceau, pourquoi le fonds ? Nous avons réellement eu des difficultés à sortir des chiffres. Des chiffres de fréquentation, des chiffres de recettes touristiques, des chiffres de ce qu'on te disait. Donc c'était réellement un travail assez pénible de pouvoir comptabiliser le nombre de croisiéristes que la Polynésie a pu compter ces dernières années, l'impact économique que ça a pu générer sur notre économie. Et donc la mise en place du fonds nous permet réellement de créer une caisse et de pouvoir comptabiliser réellement, au vu des déclarations et des recettes qui sont affectées via le port autonome. Nous restons maîtres du budget qui sera engrangé. Il ne tombera pas dans le pot commun du budget. Il ne sera bien entendu pas assujetti à la perception des 17% que prévoit actuellement le gouvernement pour le FIP. Je rebondis là-dessus pour répondre à Mademoiselle Sage concernant la volonté, la motivation du pays à soutenir ce projet. Effectivement,
La première demande qui m'a été faite en Conseil des ministres lorsque j'ai présenté ce projet, ça a réellement été de voir de quelle était la perception des hôtels face au développement de ces croisières, de ces activités de croisière. Il m'a suffi d'utiliser l'exemple du Paul Gauguin qui a été racheté par Dick Bailey, s'agissant d'un navire qui, au moment où M. Bailey l'a racheté, réalisé pas loin de 1000 à 2000 nuitées dans ces hôtels de l'intercontinental. Donc aujourd'hui, les hôteliers voient réellement un avantage au développement de l'activité croisière. Ce n'était pas le cas auparavant. Les hôteliers considéraient que cette concurrence sur l'eau venait pénaliser leur activité. Aujourd'hui, réellement, les hôteliers sont derrière ce projet. Et une fois que j'ai pu amener ces arguments au Conseil des ministres, croyez-moi, l'ensemble du gouvernement l'a soutenu. Donc il n'y a aucun doute sur les motivations du pays à soutenir ce projet de loi pays. Monsieur Tonsou, pour répondre à votre question concernant les motivations et l'accord des bateaux à payer une nouvelle taxe, ceux qui, les Brest Cruise et autres Paul Gauguin, ne voient pas d'inconvénient à réellement payer de taxes, parce que dans la quasi-totalité des autres destinations, sauf quelques-unes, cette activité est payante de toute façon, et les croisiéristes reconnaissent et acceptent le fait que, comme pour l'hôtellerie, à un moment donné, sur le navire, il faut également régler une taxe. Pour ce qui concerne les bateaux qui sont de passage et qui ne sont pas taxés actuellement, nous ne les avons pas consultés. Nous avons considéré, au vu du benchmark qui a été opéré à l'échelle du Pacifique, que puisque la moyenne de taxes actuellement est de 667 francs, que la Polynésie pouvait se permettre de taxer ces mêmes bateaux à 500 francs. Voilà. Donc, et nous, une fois de plus, nous leur laissons 12 mois pour les informer et deux pour mettre à niveau leur taxation, ce qui est amplement suffisant. Parce que pour l'exemple du Paul Gauguin qui est actuellement en activité en Polynésie française, 3 mois suffisent pour informer les clients de ces navires qu'au 1er janvier, la taxe sera changée. Pour répondre à Mme Brumont concernant le bilan sur les 10-15 années, comme je le disais juste avant, il nous a été réellement difficile de pouvoir comptabiliser le nombre de passagers, le nombre de nuitées en termes de ce qui concerne cette activité. Donc nous avons un souci de comptabilisation. C'est la raison pour laquelle, une fois de plus, nous mettons en place ce fonds, de manière à un moment donné pouvoir avoir un centre d'information où sera recueilli toutes ces statistiques. Voilà. Pour remonter également ce que vous disiez, vous parliez de scène d'établissement public. En fait, le fonds n'est pas une entité, c'est tout simplement une caisse. Il faut le considérer comme une caisse que nous venons créer, vers laquelle le port autonome va faire abonder la taxe et grâce à laquelle le service du tourisme pourra engager ses investissements dans les îles ou abonder le fonds du GIE-TT Tourisme pour assurer la promotion de la Polynésie dans le secteur de la croisière. Voilà, donc ce n'est pas une nouvelle entité, ce n'est pas un nouvel établissement. Le compte d'affectation spéciale est réellement à considérer comme une caisse. Alors, pour revenir sur la question des paquebots mixtes de mademoiselle Sage, j'ai demandé, Monsieur le Président, à ce qu'on puisse enregistrer un amendement, parce que tel que les textes le prévoient dans le projet de loi actuel, à l'article de la LP 19, nous prévoyons effectivement que la délibération aujourd'hui applicable soit abrogée, sauf pour ce qui concerne l'activité des navires de cargo mixte. Or, cette rédaction ne convient pas à certains de nos services publics. Donc, nous souhaitons non pas modifier le sens réellement de ce que nous voulons faire accepter aujourd'hui, faire voter. Nous souhaitons simplement modifier cet article de manière à ce que
la délibération en question ne s'applique plus dorénavant qu'aux navires de cargo mixte. Voilà, donc si vous voulez bien l'accepter, l'article de la LP 19 serait modifié en conséquence. Pour répondre à Mme Galnon sur la raison d'une taxation à l'escale, il nous paraissait important de pouvoir faire rester les navires plus longtemps dans les îles. On connaît l'impact économique et social de cette activité au milieu insulaire. Et de ce que nous avions pu remarquer, bon, déjà à l'international, cette taxation se fait à l'escale. Donc nous venons une fois de plus mettre notre réglementation à niveau des pratiques internationales. Mais il nous paraissait surtout important que ces navires restent plus longtemps. Et à partir du moment où ils ne payaient qu'une taxe à l'escale, on pourrait considérer que le bateau restait dans le lagon et à ce moment-là que les croisiéristes pourraient profiter plus longtemps de leur séjour dans leurs îles plutôt que de passer du temps entre les îles, c'est-à-dire dans les océans. Voilà, donc nous, l'esprit de ce texte, une fois de plus, vient en renfort de l'impact économique de cette activité dans les îles. Au niveau de la population, donc, comme vous le savez, nous venons supprimer l'obligation d'embaucher trois personnes locales sur nos navires. Nous considérons que l'emploi indirect de cette activité est considérable, même si une fois de plus les chiffres ne nous permettent pas de confirmer ces dires. Mais quoi qu'il en soit, le fait d'obliger les armateurs à embaucher trois personnes au minimum polynésiennes était réellement perçu par les professionnels comme une contrainte. Donc c'était un verrou qu'il nous fallait absolument faire sauter. Madame Fulia, pour répondre à votre question concernant le plan d'aménagement des investissements, nous prévoyons effectivement, une fois que cette loi sera votée, acceptée, en espérant que vous votez tous favorablement, nous prévoyons qu'une étude soit menée par nos services de manière à prévoir un plan de développement un plan d'aménagement de nos sites touristiques que tous ces bateaux. Le grand avantage de ce fonds, une fois de plus aussi, il permet non seulement de venir rénover, réaménager des sites touristiques que touchent les croisières actuellement, mais surtout, il va donner la possibilité à de nouvelles îles de pouvoir également nous solliciter pour devenir des îles touristiques de croisière. Voilà. Donc, pour ça, ce plan va être élaboré en 2011. Il n'est pas prêt aujourd'hui. Nous avons repéré, bien entendu, les îles, identifié les îles qui sont préférées par nos bateaux de croisière. Nous pouvons également inciter les nouveaux venus, les prochains bateaux à toucher des îles qui ne sont peut-être pas aujourd'hui touristiques, qui n'ont pas un intérêt touristique. Mais s'agissant de 118 îles, comme vous le rappeliez juste avant, je pense que nous avons là encore beaucoup à faire en termes d'aménagement. Mais pour ça, nous avons bien entendu d'un plan de vol. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire où nous allons investir, mais je peux d'ores et déjà vous confirmer que nous allons élaborer un plan d'aménagement des sites touristiques de croisière. Monsieur Drouet, pour répondre à votre question concernant les communes, effectivement, je n'ai pas aujourd'hui la possibilité d'influencer par des textes la taxe, le niveau de taxe ou l'implication même des communes en termes d'investissement ou d'accueil des navires. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est très prochainement de pouvoir mener une campagne de mobilisation. C'est ce que recommande le Conseil du tourisme comme recommandation numéro 1, de manière à ce que la population, mais surtout les élus, soient sensibilisés à la cause touristique. Alors, comme vous le savez, nous avons bien entendu souhaité déléguer au maximum la gestion, l'accueil de nos touristes par le biais des comités du tourisme dans les îles, pour les avoir fait venir il n'y a pas longtemps et pour leur avoir fait bénéficier de 10 millions de la DGDE supplémentaire sur leur budget prévu en 2010.
il me paraissait essentiel que les comités puissent disposer de budgets supplémentaires, mais également de l'implication de leur tavana. Donc nous irions avec le GUTT Tourisme signer des conventions avec les maires qui l'accepteraient et les comités de tourisme, de manière à ce que le GIE s'engage sur un niveau de budget, mais également les communes, en termes de fonctionnement du comité, mais également pour les projets d'investissement. Voilà. Donc là également, nous faisons pas ce biais-là, nous venons impliquer les communes à l'accueil et à l'aménagement des sites touristiques. Une fois de plus, par le biais des comités de tourisme que je propose de mettre en valeur. Concernant l'achat hors taxe des services à bord, comme nous en avons discuté lors de notre rencontre à l'Assemblée, il nous paraissait important de pouvoir lisser la tarification de ces prestations à partir du moment où, à terre, le prestataire paye une TVA et qu'à bord, la marge du navire venait gonfler le tarif de la prestation, lui enlever l'inconvénient de la TVA à bord permettait réellement au prestataire qui serait vendu à bord de pouvoir bénéficier d'un avantage. Voilà. Donc, par ce biais, nous venons faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les prix vendus à bord et les prix vendus à terre. Je n'en ai pas pour longtemps. Pour ce qui concerne la participation du Tahiti Cruise Club au Sea Trade, donc bien avant que cette réglementation soit rédigée, nous avions, au mois de février, de souvenir, financé en partie la participation à hauteur d'un million, je crois, un ou deux millions, via le GIE, la participation au Tahiti Cruise Club en Floride, au Sea Trade. En termes d'assistance technique, pour en avoir discuté avec les techniciens du port, il paraissait que la Polynésie offrait réellement une assistance digne de certains ports internationaux et certainement meilleure que d'autres destinations du Pacifique. Et pour exemple, le Staff Lion n'a pas hésité à utiliser nos infrastructures pour faire les révisions nécessaires avant de quitter nos eaux. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée de mobiliser les commerces à ouvrir lorsque les bateaux touchent nos quais. J'étais même confronté à certains commerçants qui me demandaient de changer la date de passage d'un navire un dimanche. Une fois de plus, la Polynésie viendrait demander à ses visiteurs de s'adapter à ces contraintes, alors que c'est plutôt à nous de nous adapter aux contraintes de nos visiteurs. Donc bien entendu, et je pense que le message commence à porter ses fruits lorsque le Dawn Princess est arrivé dans nos eaux il y a un mois. La commune de Papeete, que je salue au passage, mais également Tahiti Cruise Club et d'autres ont réussi l'exploit d'ouvrir la ville le dimanche et de permettre à une bonne partie de la population de venir accueillir nos visiteurs. Enfin, pour terminer sur la zone de Manihini, effectivement, comme je l'avais annoncé, nous avons lancé un projet de réaménagement de l'ensemble du site que nous occupons aujourd'hui. Le GIE s'est en plein, en plus de risques électriques importants. Donc d'ici 2 ans, le AD aura finalisé et permettra le premier coup de pioche, si tout le monde en est d'accord à ce moment-là. De manière à ce que cette zone touristique que j'occupe actuellement également avec le ministère soit dédiée intégralement à nos croisiéristes. Et puis pour ce qui concerne le plan d'aménagement futur du front de mer de Papeete, nous avons effectivement au sein du Conseil du tourisme envisagé du moyen et du long terme que ce visage de Papeete puisse s'étendre bien entendu du côté de l'armée, la zone occupée par l'armée et pourquoi pas du côté de Mututa. Donc voilà, c'est bien entendu des projets à long terme, mais les idées sont bonnes aujourd'hui de manière à pouvoir se fixer un cap. Et en attendant, j'ai annoncé à Monsieur Daniel Palace que je lui libérais mes locaux de manière à ce que son musée puisse ouvrir avant la fin de l'année si possible,
à l'endroit même où se trouve le ministère, de manière à ce que nos touristes puissent disposer d'un lieu où retrouver nos pièces, nos ouvrages et notre culture, la culture polynésienne, en plein centre de Papeete. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Je vous remercie pour votre attention. Maru. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces réponses. Donc, je vous propose tout simplement de passer à l'examen de la loi de pays avec Monsieur le rapporteur, la lecture de l'article LP1. Merci, Monsieur le Président. Alors, en préambule, afin de disposer d'un cadre réglementaire unique, accessible aux opérateurs du secteur de la navigation de croisière, et ainsi de favoriser le développement de la navigation de croisière en Polynésie française, les dispositions suivantes organise le régime applicable aux paquebots de croisière effectuant des croisières touristiques. Titre 1, définition. Article LP1, on entend par, premièrement, paquebots de croisière, les navires à passagers armés au commerce au sens de la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui satisfont aux conditions de navigabilité et de sécurité définies par la loi numéro 83-581 du 5 juillet 1983 et le décret numéro 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer. L'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution et leur texte d'application. Ils disposent d'au moins 12 cabines de passagers, de salles d'eau, d'infrastructures nécessaires à l'agrément des passagers et offrent des services hôteliers tels que blanchisserie, services en chambre, services de restauration. Ils effectuent exclusivement du transport de personnes dans le cadre de croisières touristiques en Polynésie française, selon un ou plusieurs itinéraires préalablement fixés. Les navires répondant à ces critères, mais disposant d'un nombre de cabines inférieur à 12, sont considérés comme paquebots de croisière si le nombre total de cabines offertes par l'opérateur de croisière sur l'ensemble de sa flotte de paquebots de croisière est supérieur à 12. Deuxièmement, opérateur de croisière, les entreprises sous quelque forme qu'elles soient exploitant un ou plusieurs paquebots de croisière. Troisièmement, croisière touristique en Polynésie française, les voyages d'agrément effectués au moyen d'un paquebot de croisière et comportant au moins une escale touristique en Polynésie française. Une escale touristique est définie comme toute escale autre que pour motif exclusivement technique ou sanitaire ou de cas de force majeure. Elle consiste soit dans l'accostage du paquebot de croisière dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du paquebot de croisière à proximité d'une île de la Polynésie française, permettant le cas échéant le débarquement de passagers ou l'avitaillement du paquebot. Quatrièmement, passagers, tout client de paquebot de croisière justifiant d'un titre de transport, ne sont pas considérés comme passagers. A. Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire. B. Les enfants de moins de 12 ans. C. Les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle se trouvait le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes. Cinquièmement, importateur revendeur, toute personne inscrite au registre du commerce et des sociétés de papeete qui importe des biens visés par la présente loi du pays en vue de les revendre en l'état, après leur mise à la consommation, à une entreprise exploitant un paquebot de croisière ou un sous-traitant ou concessionnaire à bord d'un paquebot de croisière. Merci, Monsieur le rapporteur. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole? Monsieur Jacques Drolet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je voudrais avoir des assurances sur les textes relatifs à la sauvegarde de la vie en mer que l'on applique, qu'on applique aux paquebots de croisière, et notamment la partie concernant l'habitabilité à bord des navires et la partie prévention de pollution. J'ai eu à connaître des aménagements d'un certain nombre de paquebots de croisière où, pour gagner de la place, certaines cabines avaient été réduites, jusque y compris des cabines destinées au personnel des navires de croisière. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette notion d'habitabilité? Est-ce qu'un hamac devient un habitacle ou est-ce qu'il y a des règles plus précises de surface au sol, de volume pour loger à la fois
les touristes, les clients, mais aussi l'équipage, parce que très souvent, sur les navires de croisière, c'est l'équipage qui paye un peu les pots cassés. Non seulement sur la tarification et la gestion de ce personnel, elle nous échappe complètement et elle est réglée par une entreprise qui est à Monaco, mais en plus, les armateurs ont tendance aussi à réduire la place destinée aux travailleurs sur le bateau pour augmenter ou pour trouver des cabines encore supplémentaires pour leurs clients. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer en termes d'habitabilité et en termes de prévention de pollution? Quels sont les risques supposés d'être pollués par ce qu'on appelle sur ces bateaux les eaux noires? Est-ce qu'il y a des règles internationales? Est-ce que ces bateaux, par exemple, arrivant à Outuroa, devant le port de Madame Teruatea, sont habilités à décharger toutes leurs saloperies dans le lagon d'Outuroa, ou est-ce qu'il y a des règles avec des distances à l'extérieur pour la pollution marine? Est-ce que pour ce premier point de la LP1, vous pouvez nous apporter des assurances? Merci. Monsieur Hiro de Farere. Maruru Preteni, Atrehau. Amaruruda te yupa te tupu e toe faitutura i te pahonora e tapeno me o nāwira e piti rutui to tātou tuahine o Maina Sāj e to tātou ta e o Jaki Droletane. Mana nora e venei rutui au nei no tātou pātoa te rai e wira matamua ta Droletane i tuatu no te iepe mo whaauda. I roto pui te e mau ona whatupai, e te mau teiete e hanei. Ini e te whenua, no te whaatiani anira i te mau ratere, te mau ohupa e tupura ini e te whenua. I tupuuna pai te e mau whiwhi, te mau matheiti matamua, haret amai te e nga pai renaissance. Yo mātou huara i raro. I te rahia te e whiwhirei. E wahare roa ho e teime, wo whaea roa te e mōpei, hare rāro toi te teimo mutu. No te mea, wo patoi u ana, te mau whea e tia au nei te parau o te wharira e te mau manhini, te mau whaauta imi e te muni. I ore e te e mōpei, i muri mei haramei huahine. Wo tupu te rā whiwhi, e te hio me wau e te tūreira wau i te mana o a Droletane, e mi te pau te rā mō hoa e te matara te e whiwhi ānanhei, e tupu a te e whiwhi, e mana o te rā. Ngaropa o wharamai te iaoe, e wei arārei o. Te piti o te mana o, te rai a mō mana o e tuhi a mai rato tātou tuahine, ni e te mō numera, e maruru e maina to e whaheti rā te e mau ohupa e tupura te whenua e Aotearoa e te whenua Otararia. Te rā mō ona o te e mō pei e hārerei o, e ereho e ā te e mō ona e haramenei o tātou. Mi tā drore tānei parau. Te rā mō ona pei haramenei o tātou no te whenua marite. Ho e tuha arhei o te e mō ona fatu pei e hārera i Aotearoa ōrera i Aotearia, te veira tō te whenua marite, te veira rā tō te ota ato. Ai tā nei tatu, e nei nei tō e huti mai, nā roto i e tihare rā wharerei te e mō whatu o nga pai, hato me pei o tato, no te mea te hare rā rato, i o anoa i te mō whenua kuk. Ti pihoro i tatu, ai tā nei e nei nei e tip uro mai o tato, e mana o tana. E hake tu mūno te mea, i roto i te ao i tātara i rau anei, tēnā ora o e te iepai tu te api,
no te oroira i te hamamar atu te tautou e tūnei no Renes no, no Paul Gauguin e ohoui e te matheiti pe te tautini a horu mapiti. E rea ne? Me te pau, e rei mai te pahi. Yo tātou, me te pau e te rei mai pahi na whea tātou. E pau ia tātou. O buara amai te te hamamara. Me te pau e rei mai pahi. E me te pau e te pahi e pau tātou. Nā whee e tātou. Nā whee e tātou e āpiro tō i te pau. Te rā te uira. Nō rea wāparo e pretene, ai tātou umu mōna o i hopeini e te mō tūmu parau matamu. E te tia turine o e pahono mani tō tātou whātereheu. Nā roto o ha amaruru tō tātou tā e drole te uira, te e uira, nō te mō rau e hupopeini e te mō pai. Oia mō, me... Me fauwharu. O te mea, te hamana o rau tau hoi mateiti. Watia mai kera mōrawa e hupua. In e te e mōpai, i o mātoi huahine. Wapauro mai rato in e te wahu. Wapatau rato e rawe wahu te hupo. O te mea, wawihi rato. Te e mō Filipino. Atoru no mateiti muri tato e re taro teito. Prau api ro te whahaurohi atu e rātou. No te mea, te huru o te orara ini e te pahe, e te rātou nen hei whaaromai wahau. Wa hawihi a rātou e te mo ona whatu pahe. E te rātou te mea, ti tautu hei a tātou e vei a rāra. I hapai, no te amaitei noara te parau o te imira fauwha o te whenua, e whari tātou e maiti te tei mo ture whātiania nira i te mo. Teie te rarhei harmei o tātou, mā te ore e tua tāpapa, te prou o teie mauraba hupa, e hānei e teie mōpahei, e paruruhi ara te tei mō ture, havi i o rātou. Prou whiwhi ro teie prou. E oike oi, teie mhana, te pūwei no tura te rā whēruira, e whā e whaito te prou o te ture o hupa o teie mauraba hupa, in e teie mōpahei. Te mea war heiroa te mou haawira in ei rato. Mea heiroa. E wa ite hia, waroa hia. Te weira te teimo teie te rarhei, wa haawa hia. Wa whautua hia. I hapa e anan hei, e rido o te ra fifi, e hao fifi whakotu tato. Ia tupuna te ra huru whanora unei o tato. E mon o propro teie whananea rai to tato mo whiruia. Jain e no mai o Naruto tu voi to tato re o Nenhero. Maruru, Yorana, te aro hoi arai. E rama maho paia, pretene. Te rai ia parau e no te ie pa en ufa e hau e veire o a i whare ute. O parau tu voi rau e nei a whaitu i waho, a whaitu i ho. Aita pai te hau wharani e whare ira. Ta tato mo te ie te e hai o. A whaitu i e yorato. Mono te maruru te aru hoiarei. Maruru, Maina. Oui, monsieur le ministre, je m'interrogeais sur le cas de figure qui est cité dans le premier alinéa au dernier paragraphe pour les navires de moins de 12 cabines. La croisière... quand même répond à une définition internationale qui consiste à dire que pour les bateaux de plus de 12 cabines avec des itinéraires précis, ce qui les différencie du charter qui, pour cette activité de charter, peut être un itinéraire, je dirais, au gré du client, qui peut se faire même au jour le jour. Je vois que dans ce premier alinéa, vous avez... intégrer également la possibilité pour des bateaux de moins de 12 cabines, mais dont, la société peut-être aurait plusieurs navires, si j'ai bien compris, qui totaliseraient plus de 12 cabines, donc seraient donc éligibles à ce dispositif. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que cela touchera aussi des bateaux type... charter en fait, catamaran comme c'est aujourd'hui le cas sur des petites structures
Je ne vais pas citer de compagnies, mais pour donner des exemples comme type Archipel Croisière, etc., Tahiti Yacht Charter, qui offre des catamarans de 2, 3, 4 cabines, où on reste quand même en dessous du nombre de 12. Ou est-ce que, ou peut-être que c'est autre chose, mais est-ce que vous pouvez nous préciser le type de bateaux qui seront concernés par, je dirais, cette exception qui est faite là dans ce texte? Merci. Une intervenante, donc Monsieur le Ministre. Merci pour ces questions, pour les questions de Monsieur Droulet. J'aurais tendance à répondre que nous n'avons pas prévu, effectivement, de conditionner les tailles minimum de cabine, parce que ça nous amènerait à devoir supporter les mêmes problèmes que nous avons avec la classification des pensions de famille. Où là aussi, nous devons mesurer la surface des tailles, la dimension des surfaces. Et là, nous avons considéré ce qui peut être justifié. Le classement d'un hébergement de pension de famille ne l'est pas forcément pour des navires de réputation. Ce sont quand même des grandes maisons, ce que vous en avez cité tout à l'heure. Et pour ce qui concerne l'hygiène, la sécurité et les risques de pollution, il existe bien entendu des textes internationaux qui régissent et que doivent suivre ces grandes maisons. Donc, il ne nous paraissait pas opportun, aux yeux de la Polynésie, de demander en plus cette obligation à ces grands navires de respecter des tailles de cabine pour ce qui concerne le passager, mais également leur marin ou leur équipage. Monsieur Tefarere, si cette loi est votée favorablement et si elle est appliquée au 1er janvier, nous irons prospecter les propriétaires et exploitants des grands navires. Nous irons les voir. Ce sont des grandes maisons, mais c'est un petit monde. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il était important que nous ayons pu laisser partir le Star Flyer dans de bonnes conditions. Parce qu'un croisiériste mécontent, c'est toute la famille croisiériste mécontent. Donc, il est prévu, bien entendu, que quelqu'un à Los Angeles soit mandaté sous la forme d'un contrat de prestation avec le GUT du tourisme, de manière à démarcher les grandes maisons de croisière. Alors, si demain les bateaux transpacifiques ne venaient plus en Polynésie française, ce ne sera certainement pas à cause de la taxe. La taxe n'est pas perçue par les opérateurs comme un problème, parce qu'elle est payée par les passagers, et elle est payée dans le monde entier. Si les bateaux décidaient de ne plus venir en Polynésie, ce sera certainement pour des soucis de sécurité, d'accueil, ou parce que la Polynésie sera une destination suffisamment morte pour ne pas susciter l'intérêt des touristes à venir la visiter. C'est la raison pour laquelle, dans la réponse à ma question orale juste avant, je précisais qu'il était important aujourd'hui de montrer à l'international que nous sommes une destination dynamique, que nous sommes une destination, une population accueillante, et c'est tout cela qu'il faut travailler avec les communes, avec finalement toute la population, puisqu'on a pris l'exemple de l'arrivée du Down Princess, où toute la population, une grande bonne partie de la population de Papeete est venue accueillir ce bateau. Donc c'est cette mobilisation dont nous avons besoin. Donc ce n'est certainement pas la taxe à elle seule qui viendra faire fuir les bateaux transpacifiques. Et une fois de plus, nous leur laissons 12 mois pour s'adapter. Pour ce qui concerne l'exploitation des employés à bord, ce qui peut nous paraître effectivement être difficile à accepter au regard du droit polynésien et français en termes d'emploi, croyez-moi, les Philippins sont certainement heureux à bord. C'est la raison pour laquelle il y en a autant dans les navires de croisière. Donc je me vois réellement mal jugé de ces pratiques qui sont faites dans l'ensemble des navires. Aujourd'hui, ce que nous considérons comme inacceptable en termes de conditions, de salaire et de travail, ce n'est pas forcément les employés ne partagent pas forcément les mêmes avis quand on connaît les conditions de vie dans lesquelles ils grandissent et vieillissent dans leur pays d'origine.
Voilà, donc pour, je ne m'attarderai pas sur cette question, mais là aussi il existe des règles internationales et une fois de plus, la réputation d'une maison tient aussi à la façon dont elle, gère et traite ses employés. Si des employés sont maltraités, sont mal considérés à bord, je pense que ce ne sera pas à la Polynésie, bien entendu, de mettre en avant ces, pratiques. Ce sont des choses qui nous dépasseront, en mon sens, et qui concerneront la, maison en question elle seule. Voilà, Mararu. Juste pour terminer sur la réponse de Mademoiselle Sage, la question de Mademoiselle Sage, il existe un seul opérateur qui ne dispose pas de 12 cabines et qui, malgré tout, sera, pourra bénéficier de cette réglementation, c'est Alchipel Croisière. Nous lui avons laissé effectivement la possibilité parce qu'il a une flotte suffisamment large par ses textes, de pouvoir bénéficier de cette réglementation, puisque de toute façon, au travers de sa flotte, il totalise plus de 12 cabines, donc il bénéficie automatiquement des mêmes avantages que les bateaux qui ont plus de 12 cabines. Voilà. Voilà, Marou. Oui, monsieur Pierre Frébeau. Merci, Président. Adrien, il m'est difficile d'entendre dire que les Philippins sont contents de leur sort sur ces navires. C'est vrai que la situation chez eux n'est pas facile. Et effectivement, ils ont fait le choix de s'expatrier pour travailler. Ils arrivent dans un territoire français où ils apprennent qu'il y a une protection des salariés. Il y a un code du travail, des congés payés, il y a tout un cadre. La première des questions qui se posent, pourquoi ça ne s'applique pas à nous? La première interrogation, elle était vraie. Ben, tout simplement, lorsqu'ils viennent ici, ils ont des cartes de séjour de 3 mois. Vous savez la différence? Délivrée par l'État. Donc le statut de salarié n'est pas reconnu. Et dans ces conditions, notre réglementation ne s'impose pas. Ils sont bien obligés de l'accepter. Mais comprenez leur interrogation. Et bien évidemment, ces navires travaillant dans des zones où le cadre réglementaire de protection des salariés est aussi au niveau, je dirais, minimal de l'international, ils en acceptent. Mais de là à dire qu'ils sont heureux, entre nous, il faut savoir aussi limiter. Hein. Ils en acceptent les contraintes. Quel est le salarié qui va venir travailler dans un pays qui dit « Ah oui, d'accord, moi je ne bénéficie pas de ça et pourtant je suis salarié comme toi ». Il se pose des questions, mais il intègre tout ça du fait que la sortie de chez eux leur permet justement d'avoir. Et c'est pour ça que le terme me choque, en disant qu'ils sont heureux. Non. Mais c'est une situation que nous avons acceptée, que nous devons traiter. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont traités de manière très particulière. Si on devait appliquer notre réglementation locale, stricto sensu, eh ben ce serait du travail clandestin, hein, parce que même pas soumis à déclaration de CPS. Et pourtant, ils viennent, non pas en qualité de salarié, ce n'est pas un permis de travail qu'ils ont, c'est une carte de séjour, valable 3 mois. C'est ça qui crée cette différence. Mais si effectivement, à minima, ils respectent le cadre international, vous avez raison de dire, parce que sinon, ils quitteraient cette compagnie, parce qu'ils tournent. Ils viennent généralement passer un délai en Polynésie, ensuite ils vont vers les Caraïbes, toujours avec la même compagnie. Ils vont tourner. S'ils sont attachés à leur compagnie, c'est qu'ils y trouvent certes une amélioration de la situation, mais de là à dire que tout va bien sur la croisière, à ce niveau-là, j'y mettrai des réserves. Merci, François Stama. Alors, le Président, je voudrais juste revenir à la réponse de Monsieur le Ministre à la question de Madame Aïna Sage tout à l'heure. J'ai pas bien compris le nom du bateau que vous avez donné, Pacifique Croisière, Archipel Croisière. Je ne le trouve pas dans la liste. Une société. Et qui a combien de dans sa flotte? Il y a combien de navires? Sa flotte est de combien? Oui, Monsieur Drolet.
Oui, monsieur le ministre, pour revenir sur la question que je vous ai posée en termes d'habitabilité et de prévention de la pollution marine, je ne vous demande pas de prévoir des textes qui gèrent ça, puisqu'il y a des textes internationaux, et vous l'avez bien écrit dans votre premier alinéa, donc est un paquebot de croisière celui qui satisfait aux obligations d'habitabilité, de prévention de pollution. Ça, ce sont les textes. Mais la réalité, quelquefois, dépasse un peu les textes. Et vous aurez certainement à connaître de conditions un peu particulières sur un certain nombre de navires. La question est, quels pourraient être les moyens à votre disposition pour remédier à ces éventuelles, j'allais dire, entraves à la réglementation internationale? Et deuxièmement, en termes de pollution, tous les bateaux n'ont pas tous le même âge. Il y en a qui sont récents, il y en a qui sont plus anciens. Il y en a qui disposent de traitements de leurs ordures, d'autres, c'est tout à fait archaïque. Alors, est-ce qu'au niveau du pays, on va avoir un œil vigilant? Éventuellement, est-ce qu'on va demander à un armateur de prendre langue avec un prestataire de service au sol pour récupérer et traiter ces ordures? Parce que souvent, ai-je compris, monsieur le ministre, les ordures autres que les eaux noires sont broyées et par certains navires sont lâchées en plein océan. Alors, est-ce que cette pratique est une pratique acceptable pour nous? La question est, comment, en tant que ministre du Tourisme, représentant le pays, vous pouvez avoir quelques moyens, quelques mots à dire pour le cas où quelques requins, éventuellement, pas dans l'océan mais sur le bateau, puissent entraver les règles internationales. Si je vous pose cette question, c'est que j'ai eu malheureusement à le connaître sans avoir les moyens de rectifier. Où l'armateur en question a réduit l'habitabilité de ses employés pour gagner des cabines supplémentaires. Alors, et si ça nous arrivait, comment pourrions-nous réagir? Ensuite, sur le même, dans le même premièrement, je vous avoue et je vous l'ai dit en réunion de travail et à la réunion de la commission, que j'étais un peu gêné par le troisième paragraphe. Si une société de navires avait trois navires de quatre cabines, ben, il deviendrait paquebot de croisière. C'est complètement différent. Quatre cabines, on ne peut pas imaginer que quatre cabines, c'est un paquebot de croisière. Donc ce dernier paragraphe, je vais le voter, mais il me gêne. On a l'impression qu'il a été installé pour faire plaisir ou pour faire entrer une société dans le cadre de notre loi. C'est une impression. Maintenant, je peux me tromper. Rassurez-nous, monsieur le ministre. Merci. Plus d'interventions, monsieur le ministre. Oui, pour répondre à Madame Tama, l'Archipel Croisière compte 5 navires de 4 cabines. L'Archipel Croisière bénéficie du régime actuel, de la réglementation actuelle. Donc, à partir du moment où nous faisions évoluer la réglementation, il nous paraissait important de la faire profiter également des nouveaux avantages. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle l'Archipel Croisière, demain, sera considéré par ces nouveaux textes. En termes de conventions internationales, donc il existe bien entendu une qui fixe les normes à respecter en matière d'hygiène et de sécurité sur les bateaux. Donc cette convention internationale est applicable à tous les pays qui ont ratifié, et notamment la Polynésie française. Donc ce sont le service des affaires maritimes, pays et États qui font respecter ces conventions internationales. Pour ce qui concerne les eaux noires, la convention internationale, il en existe une également sur les hydrocarbures de soute, il existe une autre sur les eaux de ballast. Donc là également, elle est applicable en Polynésie française, ce sont les mêmes services qui sont censés s'assurer de son respect.
Maru. Uhiro. Maruru, Maruru, Preteni, Maruru, Patreho. Tu es Haïti dans le archipel croisière. Taram, en est Ugo. Et là, nous avons Omar. Aïté, ben, Fatura, Aïté, Touré, Hubo. Parom, et tu es en Patreho. Chebourant, tantanto, mo, tapena. Oe moro ano profa al contra toru au e ti avaru fa abime. Toru au e ti avaru fa abime. Wou ba e wou tera vivi. Era ere tera te pro o te chepur amai te moura wa hupa aravhi ti hare chapi da te tei. Ti roa te pro tuite. Tak plus 5. Harmai cara perahu tapi nak baik. Teru awak tiap berhui. Aku tina raya perahu kontra sezon ni. No cara no, meunai hari tua mutu hari fakar awak, hari ubi toma, hoi hepe toma, hoi mei pesut hiti. Tiye ya tato. E hamet e nei te ture no te e mo te e te pai. Me tano ho, i hara e mohi e paruru. Tatato mo tamari e hanei yoi te e mo pai. O maramarama o tau pato o, ta ui paruat nartu i te reo te. O tupu e na trafivi nye keram te e te murin, tenei archipel croisie. Na fe tato. Turei tātou mō tamari e hare hapi kera parautu i te tapena pai, ihitei e te wea turā, roa parautu i te, tā e no te teimo parautu i te hauatu, rawe te hupa, tauturuhi a te mō te e te tatou, taru awe, hiti, woti nā me tahepe toma mō, ai te tanoro. Me te peparo me oto me metei, a me metei, iaura te parauro, ai te tano. Tautara mono. Tidau tu hanya tato, eh paruru tato mu temari, tihare tiapida, teh menuya, eh teh ye imine cuy hupo, eh hatu hupo eru hanya teh ye mau ono, faharme nato cara tato mu hawa nurape, rana nato vivi, eh vivi hanya rana itu buru, teh manini ada toraro, nafet tato. Tora te emo, tap te emo, fatu peiru to itmiti. Tato trae o faura, maruru pariteni. Maruru ai tatu ai manao, fatrehau. Fatrehau, fahonora. Et donc je mets en voie l'article premier, qui est pour, à l'unanimité, une abstention. cinquante-cinq voix pour et une abstention. Voilà, donc à la demande d'un certain nombre de représentants, hein, qui, vous savez que la femme mariée de l'ancien secrétaire général, M. Le Boucher, donc, est décédée, et en raison de cela, un certain nombre d'entre nous donc, on s'associe à la veillée de ce soir, et c'est la raison pour laquelle on vous demande si vous acceptez de suspendre la séance afin qu'on la reprenne demain matin. J'ai consulté un peu tous les bords, sauf Yora Tefenoua. Si vous en êtes d'accord, donc on va suspendre notre séance et reprendre demain matin. Peut-être un peu plus tôt que d'habitude. Au lieu de reprendre à 9h, on reprend à 8h. Voilà, donc on reprend à 8h demain. Très bien, donc on reprend à 8h demain matin. 8h pile demain matin. Voilà, la séance est suspendue. Maruru.